chez Tom Stenner, Léonard Gray, Vic Mortus et Erosten, mais je ne suis pas là. Vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Merci de votre appel. Attention, ça va être à vous. Allô, Léonard ? C'est Véro. Si t'es là, tu peux décrocher. Léonard ? Bon, bah t'es pas là. Léonard ! Je pensais que t'allais me rappeler puisque tu m'avais dit que tu me rappellerais. Oui, mais j'ai dit je rappellerai AIS, le conditionnel. Pas le futur simple AI. Grosse différence. Alors je m'étais dit que peut-être tu faisais rien de spécial ce soir. Et si, justement, quelque chose de très spécial ce soir. Très spécial. Je voulais te dire les fleurs, tu peux pas savoir ce que ça m'a fait plaisir. En plus, elles étaient magnifiques. D'ailleurs, elles tiennent toujours, je les ai en face de moi. Ah, ça, évidemment, c'est du plastique, c'est sûr. Comment t'as su que j'adorais les roses jaunes? T'es même un petit peu dur de pas m'avoir rappelé, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment plus qu'une petite histoire en passant. Tu regardes toujours les étoiles? Comment va Saturne? Elle est toujours enveloppée dans ses petits anneaux, Saturne. C'était la première fois de ma vie que je voyais ça. Même la Lune, c'est bête, mais c'est très très beau. Tu sais ce que ça m'a rappelé? Dans un de tes romans, La vengeance de l'amour, tu vois la scène entre le PDG et la déléguée syndicale. Et depuis, je pense à toi. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'on se voie. J'ai envie de te parler. Je sens que je pourrais te parler des heures. Non. Hier et avant-hier, j'ai pas osé te parler sur répondeur. Mais là, je crois que... La bande message est saturée. Veuillez raccrocher. Et ne pas rappeler. Léonard, c'est toi? C'est toi qui as décroché, j'ai entendu. Non, c'est le répondeur. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allô, qui est à l'appareil? Ah, salut Véro, ça va bien? Ben non, j'ai pas eu le temps. Ben tu sais ce que c'est, hein, quand je me mets au boulot. Hein. Mais... Non, écoute, Véronique, je ne dis pas le contraire, c'était un week-end formidable, mais c'est un moment qui est maintenant, comment dirais-je, qui est fini maintenant. Et puis c'était quand même il y a presque un an. Non, je suis pas libre ce soir. Écoute, j'ai été honnête, tu t'es pas présenté, hein. Voilà. Eh ben, je suis un salaud. Exactement. Bonsoir. T'as eu mon adresse? Dans l'annuaire. Ah bah oui, bien sûr. Excuse-moi d'être passé comme ça sans me prévenir. Tu attendais quelqu'un? Non, c'est pas grave. Mais de toute façon, je vais repartir. Je voulais juste te dire un petit bonjour. Non, ça me fait extrêmement plaisir de te voir. Aussi. Tu peux me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Aucun problème. Voilà. Un peu plus. Oui, bien sûr. Pas de problème. Excuse-moi, je t'ai pas offert. Ah non, j'ai arrêté depuis à cause du. Ah bah oui, bien sûr. Bah, la fumée te dérange peut-être. Ah non, pas du tout. Au contraire. Tu vas bien? Oui,
sur ce point de vue-là, tout va très très bien. J'accouche dans 2 mois, tu sais. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Bon, eh ben, écoute, Francky, ça me fait très plaisir de te voir, mais ça tombe pas très bien ce soir, quoi. Oui, je comprends tout à fait. Tu attends quelqu'un. Excuse-moi, attends d'être arrivé comme ça. T'aurais pu m'appeler avant, quand même. J'aurais bien voulu, mais je n'avais pas l'argent. Mais quoi? Je n'avais pas l'argent pour t'appeler. Voilà, arrête, t'avais bien un franc pour téléphoner. Non, je voulais juste l'argent pour le pain. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es venu comment? À pied, de chez moi, enfin. Si on peut dire. Ah bon, parce que t'habites Montmartre, on est voisins en plus. Non, je viens de la porte d'Italie. T'es venu de la porte d'Italie à pied? Oui. Et tu retournes chez toi à pied? Ah non, 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 je peux pas retourner chez moi. Ah non, j'ai pas la clé. Mais qui c'est qui a la clé? Eh bien, c'est Arthur, il l'a gardé. Et c'est qui, Arthur? Bon, et il est où? Il est dans un avion pour le Philadelphie. Bah, il m'a l'air d'un garçon très distrait, alors, c'est Arthur. Hein. Je vais te donner de l'argent, tu vas à l'hôtel et puis t'appelleras un serrurier. Ah non, 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 hein? je peux pas appeler un serrurier. Ah non, parce que c'était pas chez moi, hein. C'était chez lui. De toute façon, le concierge m'a dit qu'il avait tout embarqué, alors. Attends, qu'est-ce que t'es en train de me raconter, Francky? Bah, qu'il est parti en emmenant tout. Pendant que t'allais chercher le pain? Eh oui. Quand je suis revenue, le porte était fermé à clé. Sans un mot d'explication, sans rien? Si, si. Il avait écrit bye bye sur la porte. Ah, bah, t'es tombé sur un beau fumier, alors, hein? Tom, je suis dans une merdier noire, j'ai plus rien, j'ai pas de brosse dents, j'ai pas de culotte chère. Mais c'est pas vrai! Ah, pardon, pardon! Je me suis couché dans un arbre. Ah, bah, t'es agréable, ça, merci! Excuse-moi. Mais pourquoi, moi? Pourquoi t'es venu me voir, moi? Mais je savais pas où aller! Mais t'as pas d'amis? Toi, tu hurlais toujours que le mariage t'empêchait d'avoir des amis. T'en as toujours pas, des amis? Si, si, j'ai des amis, mais ils habitent en banlieue. C'est pas un problème, tu prends un taxi, tu vas aller voir en banlieue. Mais je peux pas, parce que même ils habitent chez des amis, alors. Bah, ta mère, va voir ta mère! Mais je peux pas, maman vit depuis 2 ans avec une type bizarre à Londres qui organise des crampages. Mais c'est pas grave, Tom. J'irai dans un hôtel, je verrai mieux demain. Mais enfin, c'est une histoire de fou, Francky, ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu. Tu m'as jamais donné le moindre signe de vie depuis la conciliation. Pas un coup de fil, pas une carte postale, rien. Et puis tout d'un coup, comme ça, tu débarques dans ma vie comme si elle t'appartenait encore. Mais je suis peut-être marié, moi. Ah, t'es marié, Tom? Non, mais j'aurais pu. Pardon, c'est juste que je suis tellement fatiguée. Et puis j'ai des pieds qui gonflent, regarde. Je peux plus porter que des espadrilles taille 42, c'est normal. Je t'en prie, hein. Tom, tu peux m'indiquer les toilettes, s'il te plaît? Oui, c'est dans la chambre après la salle de bain. J'ai terriblement envie de faire pipi. J'ai envie de faire pipi tous les 2 minutes, parce que là, tu comprends, je viens d'avaler un verre d'eau. Et hop, ça fait descendre. C'est la pression, tu comprends, du bébé, sur le vessie. Non, mais y a pas de problème, tu peux y aller. Mais c'est pas vrai. Oh. Allô, Pyrénées? Bonsoir, est-ce qu'Aurélie est encore là, s'il vous plaît? Ah, et il y a combien de temps? Non, non, c'est pas grave, c'est personnel. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Tant mieux, franchement. Excuse-moi d'être arrivé comme ça à l'imprévisible. Non, non, ça fait... Francky, voilà mes coordonnées. Appelle-moi demain et puis on réglera tout ça à ce moment-là, d'accord? Tom, voilà. Tu peux me passer? Ben voilà tes affaires. J'arrive. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire. On verra tout demain, hein. Et tu peux sortir par la cuisine, c'est la porte de service, là, ça arrive au même endroit, de toute façon, ce que je peux voir, ça... Tom, ça te roule, hein. Merci. Combien? 230. Désolé, il n'y a pas de pourboire, c'est vrai. T'as bien réfléchi, Francky. Parce que si tu passes cette porte, tu refous plus les pieds ici. Quitte à virer tes merdes, tu pourras descendre la poubelle volontiers. Taxi m'attend en bas, je m'en vais. Et on peut savoir où tu vas sans indiscrétion? Chez Sacha.
La grosse bouine. Pour l'idée, ça tient. T'as eu le coup de foudre? Excuse-moi. Tu peux me dire la vérité maintenant, hein? C'est qui? C'est personne. Ah, tiens. C'est personne. Tu crois vraiment qu'on peut pas se passer de vous? Que si vous nous sautez pas régulièrement, on est au bord du suicide? Je vais te dire, ton bon bouquin, petit masturbation de temps en temps, ça peut nous aller pour des mois, des années. Mais arrête, arrête, c'est pas toi qui parle comme ça, c'est le discours de ta copine. Si, c'est moi qui parle comme ça, j'ai toujours parlé comme ça, seulement tu m'as jamais écouté. Je m'écoute que toi. Eh ben, écoute-moi encore une fois. La dernière, après, je te jure, je t'emmerderai plus, tu pourras partir. Je peux pas vivre sans toi, Franck. Tu trouveras jamais quelqu'un qui t'aime autant que moi. Tu peux pas savoir à quel point je t'aime. Si, si, je peux imaginer que tu es la seule personne capable des sentiments aussi forts. Si, si, je peux imaginer. Arrête, Franck, fais pas ça. Tom, ça marche. Ça marche plus. J'en ai marre aux ongles à la chaîne, j'en peux plus, c'est fini. Il y en aura c'est plus. Terminé. Je te dis qu'il n'y en aura plus. Tu pourras peindre dans ton atelier et tu pourras faire ce que tu veux, mais Franck, moi, tu m'as. Ah non, 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 mais c'est pas possible, ça. Hein. Mais elle va pas venir me faire chier dans ma vie. Hein. Ah non, c'est terminé, ça. Ah, bah vous voilà enfin, vous. Oh, je suis désolée, je suis en retard. C'est pas grave. Bah, j'avais peur, j'ai cru qu'il n'y aurait plus personne. Mais non, je vous aurais attendu toute la nuit, qu'est-ce que vous croyez? Eh, en plus, je vais pour partir. Là, le camion citerne qui s'amène. Pour le plein des cuves, 20 000 litres de super. Oh, je l'avais mauvaise. Je comprends. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de me changer. Non, non, bah, c'est pas grave, j'ai pas de problème. Ah, mais je me suis lavé les mains. Oui, moi aussi, y a pas de problème. Je peux m'asseoir, ça risque rien. Bah, c'est-à-dire, c'est du sky en principe, un coup d'éponge et off, on verra bien. Oh, c'est rigolo, je vous imaginais pas dans un endroit pareil. Bah, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, au moins. Bah, non, j'ai pas dit ça. C'est beau, c'est. Oh, c'est vachement beau. Ah, ouais. Puis il y a une vacheté de belle vue. Ah, bah, oui, c'est que par jour de grande visibilité, on peut voir la mer. Hein. Tout va bien, tout va bien. Eh, c'est une planche à repas, c'est votre table. Mais qu'est-ce que vous racontez, c'est du mobilier italien, enfin. Ah, bah, oui, c'est une table de Pinelli. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu les étoiles dans une lunette astronomique? Oh ben j'ai pas eu l'occasion, j'habite au rez-de-chaussée. Voilà une lacune qui va être comblée, je l'ai installée pour vous. Mais voilà, regardez. Dis donc, je peux te tutoyer. Le vous, moi je trouve ça neuf. Mais quelle chance, je trouve ça extrêmement neuf également. Ah, c'est neuf. Et puis, dis donc, tu m'as fait les niveaux, ça crée des liens quand même. Hein. Regarde, voilà. C'est magnifique. C'est magnifique, on voit même les... Oh. Tu sais que t'étais au bord de couler une bielle? Oui, oui, je sais bien, oui. Eh non, mais faut faire gaffe, faut huiler. Oui, je sais, mais regarde, c'est magnifique. Certaines nuits, je passe... Non, sinon tu serres. Oui. Et une fois que t'as serré, qu'est-ce que tu fais? Ah, bah, on est bien emmerdés, à ce moment-là. Regarde, c'est magnifique, je passe des heures à regarder ça et je compose... Oh, c'est beau, j'ai chopé la lune, là. Ah non, c'est mon temps de la fenêtre, on a pas touché. Tu sais que les étoiles, hein, c'est très précis, hein, au millimètre. Qu'est-ce que tu veux? Ah, bah, t'as de la chance, tiens. Tu veux voir Saturne? Saturne à qui? Voilà, arrête la planète Saturne! Et tu m'abranches, viens voir. Viens voir, Regarde, c'est magnifique parce qu'il fait très clair, on voit même les satellites avec les petits anneaux. Super, super! Oh, excuse-moi, je t'ai pas offert, tu veux un coup de champagne? Oh, t'as pas autre chose? Non, parce que le champagne, ça me réussit pas, ça me. Non, non, est-ce que tu veux, hein? Bah, un gin tomate. Pardon? Un gin tomate, un roulé-boulé, quoi! Eh ben, c'est parti! Ça roule, ça boule, allons-y! Les copains à la station, ils voulaient pas croire que j'avais un requin avec Vic Mortus. Ah, ben alors je suis très connu, tes collègues aussi lisent mes romans, hein? Ben non, c'est pour ça qu'ils me croyaient pas. Non, ils s'intéressent à rien, ces mecs-là, ils lisent pas. Il a fallu que j'amène un de tes bouquins, ça, ça les avait pas. Ah, ouais! En plus, il te voyait genre vieux salaud avec des verrues partout. Moi, ça m'a fait marrer. J'avais bien vu que t'avais pas de verrues. Ah bah oui, évidemment. Oui. Oh, même, ça m'aurait pas dérangé. Ah bah moi, un petit peu quand même. Hein. Tu sais que j'ai lu toute la collection Glauque. C'est vrai? Sincèrement, t'es vraiment le plus immonde. Oh, ouais, tu me flattes, là. Ah, mais non, je suis sincère. Bah, je les connais tous par cœur. Bon. Le dépecé de Salazar. Il est génial. Oui, il est génial. Remarque, il y en a un autre qui est bien. Oui, c'est l'histoire de la nana, là.
celle qui devient folle et qui tue tous ses mecs pour leur déguster le cerveau. Tu sais, elle lance la cervelle avec une baille. Oh, c'est la bouffeuse de tête. La croqueuse. Croqueuse de crâne, exactement. Oh, ouais, c'est ça. Oh, avec ça, je me suis régalée. Bon, bah, alors, je ne savais pas que j'avais des lectrices aussi passionnées que toi. Oh, j'adore tout ce qui est crâne et du guelbif. Eh ben, je vois bien, oui. Oh, ça fait du bien. Mais que c'est propre là-dessous. Oh, t'entends comme ça gargouille. Hein? J'ai une de ces fins, je pourrais bouffer un mort. Bah, on a le temps, on lit quand même, hein. On a un petit peu de temps, hein. Ah, c'est que la ceinture tâche un peu par contre. Mais enfin, c'est pas grave. On va la retirer. Oh, oh Vic, hein? C'est comme tu veux, mais moi, l'estomac vide, y a plus personne. Eh ben, c'est pas grave, on va vite se mettre à table, alors. Allons-y. Allez, saumon de Norvège, crème fraîche, Denis, ça te va, hein? Oh, ouais, je mettrai plein de crème dessus, j'adore les trucs écœurants. On va aller au resto, ça va être plus sympa, tu vois, ça va être super. Eh, hey, attends, et moi je peux pas aller au resto, t'as vu comment je suis sapée? Bah écoute, on va se mettre en terrasse, tu garderas ton manteau. Allez, allons-y. Mais pourquoi on bouffe pas ici? Non, parce que j'ai un problème avec le saumon, j'ai peur qu'il ait tourné, faut faire gaffe, le poisson est toujours un risque. Hein. Allez. C'est pas grave, je te fais la cuisine, j'adore ça, t'as pas des pâtes? Je t'ai pas invité pour que tu me fasses des pâtes, allez, hein. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs dans le frigo, laisse-moi faire, tu vas voir. C'est qui la femme enceinte qui dort par terre avec une tranche de saumon à la main? C'est mon ex-femme, je t'expliquerai. Bah tu l'avais invitée à dîner? Mais non, c'est elle qui est arrivée à l'improviste, c'est une galère. Je l'avais pas vue depuis 6 ans, c'est vraiment. Pardon, c'est pas du tout le faute de Tom, hein. Pas du tout, c'est moi. J'aurais dû partir et puis je me suis dit... Non, Francky, ça n'a aucune espèce d'importance. T'as qu'à terminer ce que tu faisais dans la cuisine et puis tu claques la porte en partant, hein. Allez, on y va. Allez. Tom. Oui. Tu m'as pas laissé de l'argent pour l'hôtel? Bah non, j'ai... Quel... Donc quand je t'ai réclamé de l'argent, tu m'as filé mes espadrilles. Pardon. Ah bah, heureusement qu'elle m'y fait penser en plus, parce qu'on allait partir au resto, on aurait été vraiment, vraiment emmerdés au resto, hein. C'est vrai. Je suis désolé, Francky, j'ai plus de liquide, hein. Ah mais c'est pas grave, hein? Je me débrouillerai, c'est pas... Voilà, allez, on est parti, allons-y, viens. Allez, viens vite. Non mais, vous n'avez pas du tout d'argent? Non, c'est-à-dire que j'ai eu un petit pépin, mais c'est pas grave. Je vais aller à la gare Saint-Lazare, voilà, c'est ouvert jusqu'aux 2h du matin, je vais m'endormir sur un banc. Il fait doux, hein. Tu peux pas la laisser partir comme ça, dans son état, sans un rond? Mais si. Elle dit mais si, alors allons-y, on est parti, allez. Mais non, écoute, tenez, voilà, j'ai que 100 balles, mais je vous les passe. Ah, mademoiselle, vous êtes très très mignonne, mais je ne peux pas accepter. Ah, bah si, c'est une très bonne idée. Si, prends l'argent d'Aurélie, puis moi je la rembourserai demain, hein. C'est plus simple comme ça. Y'a pas de... Tom, je m'en dis pas, c'est humiliant, merde! Mais dis donc, tu vas pas en rajouter non plus, hein? Tu crois pas que tu m'as suffisamment gâché la soirée comme ça? Qu'est-ce que t'as besoin d'aller bouffer nos saumons? Tu savais très bien que j'attendais une gonzesse, hein? Pardon? Oui, tu les mettras pieds à croche! Mais c'est pas mon problème, merde! Oh, merde, merci! Mais arrête! Mais c'est dégueulasse de traiter une femme enceinte comme ça! Je peux pas supporter, moi ça me révolte! Aurélie, vous m'avez fait extrêmement mal, hein, t'as l'air. M'approche pas, toi! Tu vas te prendre un putain de coup de sac dans les couilles! Mais non, Aurélie, enfin! Je suis désolée! Ta gueule, hein! Tom, tu sais, j'avais tellement faim! J'ai vu tout ce saumon et puis... Tom! C'est peut-être juste une histoire de bonne femme, mais il paraît que si tu satisfais pas tes envies, l'enfant peut être né avec une tranche de saumon sur le figure. Hôtel Excelsior, bonsoir. Tom Sénégal, l'appareil. C'est Léonard Gray des livres. J'étais venu chez vous pendant les travaux. Voilà. Vous avez une chambre pour ce soir? Non, c'est pour une personne qui viendra de ma part. Formidable. Elle arrive tout de suite et je passerai payer pour elle demain. Vous êtes très aimable. Bonsoir. Voilà. Hôtel Excelsior, c'est juste en face, numéro 13. Ah! Mon capa! Ah non, laisse, s'il te plaît, j'y vais, tu bouges plus. J'ai laissé près du frigo. Ton pas, ton capa, il est où? Ah oui, j'ai laissé près du frigo, pourtant. Pas grand ici. Dans le frigo, il était! Dans le frigo! Oh, puis arrête de vous faire, ça suffit de la présenter maintenant, hein! Mais pas moi! Tu veux pas me faire pleurer? Mais essaye pas de me faire culpabiliser, je sais que t'es très fort pour la matière, mais là, c'est pas la peine. Ouais, mais c'est rien du tout! Rien du tout! Ça me rend fatigué! Pas bien, hein. Je n'ai pas réglé le problème, je te jure. Mais alors pourquoi t'es venu sonner à ma porte, hein? Pourquoi? À quel moment tu t'es rappelé de mon existence, Francky? En venant de la boulangerie, ton bâtard sous le bras? Non, je fais pas d'humour, hein.
peut-être en cherchant dans les pages jaunes de l'annuaire, à la rubrique Bonne Poire, c'est ça? ST, Stenner, bien se faire avoir le Stenner, hein. Mais ça me fait plaisir de m'humilier, Tom. T'as pas changé, hein. Tu profites de la situation pour m'enfoncer les têtes sous l'eau. Mais il est dégueulasse! Ah mon Dieu, si vous existez, faites que je reste calme. C'est de ma faute si t'es en bloc! C'est de ma faute si t'es tombé sur le roi des salauds! Forky, si t'étais pas grosse comme une baleine, je te jetterais par la fenêtre! Faut pas crier comme ça. Tu m'impressionnes pas du tout. Jamais, jamais, je pensais que je te mettrais dans un tel état, hein, vraiment. Même si on s'est pas vu depuis très très longtemps, moi j'étais venue en amie. Ah, on est amis maintenant? Ah, c'est nouveau ça, tiens. Je pensais que tu pouvais m'aider moralement, toi. Eh ben, Francky, en souvenir de nos 5 années d'enfer, je vais t'aider. Moralement, comme tu dis, je vais te faire un chèque. Combien tu veux? Mais tu peux arrêter de parler d'argent comme si je vis comme un problème d'argent. Tu peux essayer de me comprendre, toi, enfin, non, Francky, on est des étrangers l'un pour l'autre. On ne se connaît plus. Hein. On n'a pas la même vie, pas les mêmes idées. On les a jamais eues, de toute façon, les mêmes idées. On est adultes maintenant, hein? Quel âge ça te fait? 32. Oui, 34. Moi, j'en ai 35. Et tu m'as appris une bonne chose, c'est à être égoïste. Ah, bah, tu n'as pas eu besoin de leçons. Tu étais déjà très, très doué au départ. Francky, je suis très heureux. Ma vie est absolument magnifique. Et je n'ai pas la moindre envie de te revoir. Ok. Reçu, 5 sur 5. C'est juste en face, cette clôture. Merci, tu me sauves la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Ouais, c'est le saumon, évidemment. Pourquoi, il n'est-il pas frais? T'as vu la quantité que t'as ingurgité? Non, il y avait combien de tranches, toi? Une douzaine. Je compte regarder pour demain. Pardon? En plus, je déteste le saumon, alors c'est vraiment... Ah! Mais qu'est-ce que t'as? Je sais vraiment. Bon, voilà, assis-toi, que je te dise. Oh. Allez, va. Bon, j'ai appelé un docteur. Hein. Non, c'est pas la peine. Ouais, arrête, j'ai pas envie que tu me fasses un prématuré sur la moquette. Hein. Je vais mettre les jambes en l'air, c'est pour les circulations. Tu peux me passer le téléphone, s'il te plaît, Tom? Je vais appeler le copain Toubib. T'es sûr de la position? Ouais, ouais. Ah. Tu connais son frère, Étienne, il était en fac avec toi. Ah, Étienne, je me rappelle, oui. Espèce de grosse baraque, manipulait la dialectique à coups de barre de fer dans les manifs. C'était sympa, lui, oui. Ben voilà, il a un frère jumeau, Jean-François, qui est devenu Toubib. Ah, ben c'est pratique. Ça, il peut soigner les victimes de son frangin. Hein. Allô? Allô, c'est le rallye? C'est le rallye? Oui, tu peux parler avec Jean-François, s'il vous plaît. Ouais. C'est un cabinet médical, le rallye? Non, non, c'est un tabac dans le 15e. Allô, Jean-François? Hein, c'est Francky? Oui. Non, pas très très bien. Est-ce que tu peux passer ce soir, s'il te plaît? Non. Non, je suis chez mon ex-mari, Tom. Hein? Ben, je t'expliquerai. Hein? 22, avenue Junot, 6e étage. Hein? D'accord. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Oui. Moi aussi. Non, c'est ton tour. Non, tu me raccroches. Allez, oui. Moi aussi. Oh, c'est une type formidable. Formidable. Et tu sais, Tom, il m'a suivi dès le départ de mon grossesse et il m'a jamais, jamais fait payer. T'as de la chance d'avoir un pote gynéco dans ta situation, hein? Ah non, il n'est pas gynécolo. Il est psychanalyste. Ah. Original, ouais. Mais il a fait des études en médecine, hein. Bien. Tom. Tom, je crois que je vais vomir. Ah non, pas ici, là. Viens vite, Francky. Ah allez. Non, c'est pas comme ça. Il faut me rouler. C'est comme ça que les rématages me roulent. Bon, ben roule, alors roule. Voilà. Allez, allons-y. Ah! Fausse alerte. On dirait que c'est redescendu. Bah alors, assis-toi. Hein. Bah, attends ton copain. Hein? Tu écris toujours? Bah oui, je sais faire que ça. Ah, c'est curieux. J'ai jamais pu trouver un de tes livres en librairie. Non, rien de curieux, c'est parce que j'écris sous des pseudonymes. Ah. Et toi, qu'est-ce que tu fais à part... De la peinture. Ah, t'as continué, c'est courageux, c'est bien. Et tu exposes en ce moment? Non, je veux dire, je fais des chantiers.
Toi, tu fais des chantiers dans ton état? Pas des petits chantiers, des studios, c'est pas trop difficile, hein. On a personne sur le dos, je le fais avec Lulu, un copain de banlieue. Lui, c'est un vrai peintre. Hein. Ah ouais? Il fait les grands appartements, alors? Non, lui, il expose. Chez lui, enfin, chez ses copains. À Villemomble! Voilà la croquis, par ici! Par ici! Par ici, viens vite! Voilà! Voilà. Je t'amène ton cabas, hein! Oui. Bonsoir. Vous êtes Tristan? Oui. Je suis Jean-François et on vient de m'appeler. Ah, bonsoir, excusez-moi. Non, c'est pas ça. C'est... Vous voulez juste regarder, là? Ouais. Et qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? C'est le short qui vous gêne? Ah non, pas du tout. C'est parce que vous savez, j'ai connu votre frère jumeau à la fac, alors... Ah, mais... J'étais frappé par le manque de ressemblance, parce qu'il était vraiment impressionnant. Ouais. Excusez-moi, j'ai parfois des tendances paranoïaques en fin de soirée. Ça. Pas de problème, Francky vous attend. Attendez. Chambre. C'est surprenant, hein. Pourquoi non? Je veux dire, le peu de ressemblance... Ah oui, tout à fait, c'est pour ça que je... Vous savez pourquoi? Parce qu'Étienne et moi, on est des faux jumeaux, si vous voulez. Deux œufs, alors un très gros et un tout petit, voilà. Tout petit qui a essayé de se faire une place modeste dans le ventre maternel pendant 9 mois. Et alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, Francky a vomi, mais enfin là, elle se repose, elle dort à côté. C'est encore précipité sur la nourriture, ça, non? Bien vu. Oui. Dites-moi, vous n'auriez pas quelque chose à boire? Je suis complètement desséché. Ouais, vous voulez un grand verre d'eau? Mais pas de... Non, vous dérangez pas, vous avez du champagne ouvert, là. Merci. Là, vous êtes venu en moto? En mobylette, oui. Très pratique dans les embouteillages, j'ai pas absolument pas. Je comprends. Donc bon, on y va, écoutez. Non, mais prenez votre temps, hein, pas... Merci beaucoup, merci bien. Bon, c'est dommage, ça va au frigidaire. C'est joli. Alors, comme ça, vous connaissez mon frère? Oui, alors, vous savez, à la fac, tout le monde le connaissait, quand il était Mao. Vous savez qu'il est à la tête d'un gros cabinet d'huissier, maintenant? Ah, oui. Ah, il a gardé intact la passion forcenée qu'il mettait dans la lutte politique, sauf qu'il l'emploie pour faire rentrer l'argent dans les caisses de ses clients. Voilà. La réussite. Formidable. Voilà. Oui, mais c'est juste là. Oui. Pardon? C'est juste là. Ah, mais... Ça va, on discute et puis on se laisse aller. Et vous oubliez vos outils, je crois. Ça rassure. Ça rassure. Ça rassure. Juste oui. 2 secondes, je reviens. Voilà, merci beaucoup. Tu reviens quand alors? Dans 2 jours. Tu veux vraiment pas que je t'accompagne? Non, tu sais, ça se passe entre filles, c'est pas un place pour des hommes. C'est interdit par le MLF? Non, mais justement, la plupart des filles sont là parce que leur mec les a laissées tomber, alors. Oui, mais moi, je suis là, je suis avec toi. Je t'ai séduite, mais je t'ai pas abandonnée. Ça va aller? Ouais. Il paraît que c'est très sympa. Tu connais Elisabeth, ma copine? Elle est allée il y a 3 mois. Elle m'a dit qu'il y a une ambiance formidable, que les filles chantent dans le car. Qu'il y a des accompagnatrices si jamais tu craques. Et puis, la nuit même, elle est restée dans une auberge pour la jeunesse à Amsterdam. Et puis, le jour après, eh bien, elle a même visité le zoo. Elle m'a dit que c'était une très très jolie zoo. Tu sais bien que si c'était possible, on ferait autrement. Oui. Je sais que tu vas dire que je suis stupide et que c'est jamais qu'un petit truc qui fait 2 centimètres dans mon ventre, mais je le sais. Mais non, mais je t'aime, Francky. On aura un bébé dès qu'on pourra l'élever correctement, je te jure. On en aura 3, 4, on en aura plein. On en aura tellement, on pourra vivre rien qu'avec les allocs. T'es sûr, ça risque rien, les médecins, tout ça? Ouais, tu sais. Il y a 100, 200 filles par jour. Ils ont l'habitude et il paraît que ça fait pas mal. Elisabeth m'a dit que ça fait même pas mal, alors. Je t'accompagne au car? Non, je préfère d'y aller tout seul. Tu sais, je serai avec toi. J'arrêterai pas de penser à toi. Toi aussi, tu serais avec moi. Là. Là. Bye bye.
tout va bien. Choc émotionnel, hein, c'est ce que je pensais. Ça, on compense avec ce qu'on a sous la main, vous lui auriez fait un kilo de nouilles, elle aurait bouffé un kilo de nouilles. Ça aurait été préférable d'ailleurs qu'elle absorbe des nouilles avec le saumon, il y a toujours un risque. Je suis vraiment désolé, j'avais pas prévu. Sinon, on pensait bien, j'aurais fait des nouilles, hein. Dites-moi, vous qui êtes un ami de Francky, vous le connaissez un petit peu, Arthur. Ah oui, c'est un type très intéressant, ouais. Ah oui. Sculpture conceptuelle, je suppose que vous savez ce que c'est? Non, pas exactement. Ah, c'est très beau, c'est des torchons trempés dans du plâtre, passés en machine à laver. Il a fait une très belle expo à Paris, hein, c'est à voir, oui. Voilà le coup d'œil, les torchons plâtrés, effectivement. Non, ce sont les machines à laver qui sont exposées, hein. Non, on peut pas le voir. Vous habitez dans quel coin, vous? J'habite à Cambronne, pourquoi, hein? Non, comme ça, c'est une simple curiosité. Et vous avez un grand appartement? Non, écoutez, mon vieux, je peux pas prendre Francky chez moi, hein. Si c'est ça que vous cherchez à me demander... Et pourquoi? Vous habitez dans une mansarde? Non, absolument pas, je vis avec ma mère. Ah oui, bien sûr. C'est certain. Non, c'est pas la peine de ricaner, monsieur, je vis chez ma mère et elle ne supporterait pas une autre présence féminine, même dans un contexte dépourvu de toute connotation sexuelle ou sentimentale. Et puis Sacha est très jalouse. Ça, c'est marrant, j'avais connu une Sacha aussi, moi, une amie de Francky, une femme qui militait au MLF. C'est pas la même? Si, Sacha l'Amazon. Ah, c'est ça, oui. Oui, ça, des comme ça, on n'en fait plus, le moule est cassé, comme disait Lacan, oui. Alors l'Amazon a tourné Kazakh, hein? Pourquoi? Je ne saisis pas. Ben, j'ai cru comprendre que vous viviez avec elle. Non, c'est ma mère qui vit avec elle. Voilà, ça fait 250. Comment? Ça fait 250, vous trouvez ça trop cher? Ah non, c'est pas ça, mais Francky m'a dit que vous la suiviez gratuitement, alors... Oui, non, mais à partir du moment où quelqu'un peut payer le tarif, c'est normal que je l'applique, monsieur, c'est logique. Ah oui, c'est sûr, c'est très logique, ça. Je préfère du liquide, si ça vous dérange pas. Je suis désolé, j'en ai plus, tombez mal. Ah, par contre, vous auriez peut-être, je sais pas, 500 francs en liquide, par exemple. Pourquoi faire? Pour dépanner Francky. Oui. Vous voyez, par exemple, je vous ferai un chèque de 750, vous me donneriez 500 que je pourrais lui passer, voyez-vous. Voulez-vous que je répète doucement? Non, ou alors non, regardez, non, j'ai une meilleure idée, voilà ce qu'on va faire. Hein. Oui. Vous allez me faire un chèque de 750, oui. Je n'encaisserai pas. Ah oui. Et puis vous me remboursez demain ou après-demain. Hein. Ah bah c'est bien. Voilà, je préfère demain. Confiance, Fanny. C'est bien. Voilà. C'est correct, parfait, merci. Vous avez les 500 quand même. Ah, ah bah ça arrive, hein, oui. Ça m'est arrivé quelques fois. Ah oui. Ouais. Non, parce que... je suis désolé, il y a 400. Exact. Alors, pardon? Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, parlons plus. Je sais rien du tout, vous avez. Non, je préfère prendre un risque là, ouais. Vous avez un problème avec l'argent, vous, hein? Bien vu, non, c'est vrai, j'en ai eu un gros, mais ça va, ça s'améliore. Ah, bon. Je connais, au début, quand mon maman m'a réclamé un loyer, ça m'a perturbé. Et puis, je lui fais payer mes consultations, elle est déduite du loyer, enfin, on s'arrange. Ah, oui. Non, parce que vous analysez votre propre mère, en plus. Je connais, c'est un petit peu particulier. Maman est hypochondriaque, alors je lui file des placebos. Je suis pas trop technique, non? Non, j'arrive à suivre jusque-là, ouais. Y a pas de problème. Alors, évidemment, chaque fois, maman essaie de me parler de ses problèmes, le psychanalyste se rebiffe, et puis le fils se fait avoir, voilà. Ah, oui. Voilà, surtout des problèmes par rapport à moi, c'est pas toujours facile à gérer, vous savez. Vous avez jamais songé à déménager? Et vous avez déjà trouvé, vous, un 300 mètres carrés à 400 francs par mois? C'est certain. Vous cherchez quelque chose? Ouais, à boire. Dites-moi, je vois que vous avez du whisky là. Vous n'auriez pas une petite goutte de coca? Ah, je suis désolé, on n'a pas été livré, non? Eh ben, ça fait 20 francs. Non, mais c'est raisonnable, hein, c'est pas... Ah, c'est une plaisanterie, hein. Ah bon? Je comprends pas bien les plaisanteries qui ont rapport à l'argent, tenez, voilà. Bah, si vous insistez, merci beaucoup, voilà. Alors comme ça, vous êtes écrivain. Et donc ça veut dire quoi exactement? Alors comme ça, vous êtes écrivain, quoi. Pas du tout, alors vous avez senti une intention désagréable dans ma phrase, je suis désolé. Arrêtez, beaucoup. J'imagine très bien ce que Francky a dû vous dire. Pas du tout, elle a beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Je suis ravi de l'apprendre, ça fait 6 ans qu'elle a pas lu ce que j'écris. Ah oui, c'est ça, vous n'avez pas eu de contact depuis 6 ans. Non, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était chez le juge, elle m'a dit va chier, depuis j'ai jamais eu de nouvelles. Imaginez le choc que ça m'a fait quand j'ai vu devant la porte. Vous me dites si je vous ennuie, hein? Non, allez-y, continuez, j'ai l'habitude. Attendez, ça veut dire quoi, j'ai l'habitude? Non, ça veut dire j'ai l'habitude d'écouter les gens. Non, c'est pas aussi que je m'adresse, je vous demande pas de conseils, j'avais envie de parler, dans l'état où je suis, je pourrais faire des confidences à une porte, hein.
Vous avez peur que je vous réclame des honoraires? Disons, je me méfie un petit peu, oui. Excusez-moi, mais c'est vexant, je n'avais jamais personne sans le prévenir, monsieur. Bon, écoutez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit au sujet de Francky, vous n'hésitez pas, vous m'appelez Aurélie. Allez, bonsoir. Et l'analyse dans les bistrots, en plus. Eh oui. Non, parfaitement, les gens sont beaucoup plus décontractés. Autant d'ailleurs, j'ai vu un cas se débloquer devant une Suze. Allez, bonsoir. Bonsoir. Non, mais quoi encore? Au sujet de Francky, là, vous, oui, ne la foutez pas dehors avant de m'asseoir, hein? Juste le temps qu'elle se remette. Ouais, foutre dehors, vous me prenez pour qui? Pour quelqu'un qui a jamais pardonné à sa femme de l'avoir plaqué. Allez, bonne nuit. Voilà Madame Triste, tiens. Non, tu vas arrêter avec Madame Triste, sinon je te fous un baf. T'en veux un peu? Non, j'en veux pas, ça va me faire flipper. Et puis tu peux arrêter de fumer, s'il te plaît, de pomme. Tu vas passer ta journée à te faire des pétards, merde! Je m'en fous, il restait que le carton. C'est raté. Nul. Mais non, c'est pas raté. Écoute, tout le monde s'amuse avec le chanteur à côté. Tout le monde. Ta famille s'amuse. Enfin, c'est vrai. On devrait pas être aussi nombreux quand on est aussi. Je dis pas que chez nous on est plus intelligents, mais on est trois. Allez, arrêtez. Ah. Est-ce qu'elle est arrêtée de bougonner, Madame Stenner, et embrassez-moi. Embrassez-moi. Faites un petit bibi à votre mari. Ah, petit bibi, petit bibi. Arrête-toi, merde, tu dégueulasse. Oh, une nuit de noces, ça veut dire quelque chose. Et là, j'ai vraiment pas envie de faire l'avance, surtout pas avec toi. Ah, ben c'est pas grave, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on a pris de l'avance. Tu vois, t'as pas envie, toi non plus. Mais toi, c'est toi de ton fils qu'on est seulement marié. Hein? Ce matin, et déjà, tu es plus amoureux. Mais non, bah, Francky, arrête, Francky, c'est pas les sentiments, c'est la fatigue, ça. C'est la fatigue, c'est parce qu'on s'est levé trop tôt. On a fait 300 bornes avec la voiture pourrie de ta mère, avec 2 pannes et 1 crevaison. Alors ça crève. Ça crève les crevaisons. Comme je sens qu'on va s'engueuler, hein. Ah, la tête avec la couronne en plus. Ah, je l'adore. Cette couronne, je vais la mettre pour faire les courses tous les jours. Tom. Tom. Tom, tu dors? Tom, reviens-toi. Tom, reviens-toi, enlevez une conne. Tom, reviens-toi, s'il te plaît. Oh, Francky. Oui, oui. Francky, arrête. Je flippe à mort, Francky. Moi aussi, je flippe. Ça y est, j'ai un doute. Mais en plus, il y a un brouillard ici. Oh. Mais qu'est-ce qu'on a été faire de se marier? Je sais pas, je sais pas. On était si heureux avant, Francky. Tellement heureux, hier, par exemple. Surtout hier. Ah, quelle journée. Et tous ces cons qui s'amusent, est-ce qu'on s'amuse de vous? Merde. Ah, oh, viens dans mes bras, on est mal. Oh, on est mal, mais on est ensemble. C'est ça qui compte. On est mal. Ah, oh, oui. Ah, oui, on est moins mal. On est mal. Ah, mieux. Oui. Oui. Oh, bon, salut, ça va? Oh, mais écoute, c'est... Mais ça m'arrange pas aujourd'hui. Mais j'en ai rien à foutre de cet héritage. Tu crois que ça me changeait la vie de posséder un alpage en Haute-Savoie? Oh, non, non, mais...
Mais non, je suis en retard, j'ai deux romans en retard, faut que je passe chez mon éditeur. Bon, à quelle heure il y a un train? Ouais. Bon, bah, si tu veux, je te dis ça. Faut y aller. Bah, on se retrouve sur le quai. En face des premières. Ok. Et bah, à tout à l'heure. Salut, Bernard. Bonjour. Bonjour. C'est très gentil, mais j'aurais pu le faire, j'ai l'habitude. Ah non, ça me fait du plaisir. Oh. T'as bien dormi? Comme sur un divan. Et toi, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Je suis sortie, je me suis acheté deux, trois trucs. Ça va mieux dans ma tête, ça se clarifie. Comment tu trouves ma robe? De grossesse. Non, elle est très jolie, excuse-moi. T'as mal aux yeux? Oui, ils sont tous bouffis, ça doit être une séquelle du saumon, alors. J'ai acheté des lunettes noires. Qu'est-ce que tu fais? Je range. Non, Francky, c'est très gentil, mais je t'assure que ça n'est pas la peine. Non, non, non. C'est toi qui étais très, très gentil. C'est toi qui étais tellement gentil de m'avoir laissé dormir. Oui, bien sûr. Je peux pas te dire à quel point j'avais trouvé ça gentil. Oui, mais tout le monde est gentil dans l'immeuble. Il n'y a que des gens gentils, c'est une association. C'est pas une raison pour jouer les cendrillons. Tu veux des hommes pétards? Pardon? Tu veux des hommes pétards? Non, merci. Tu prends plus les hommes bacon le matin? Non, je ne prends plus d'eau bacon le matin. Oh. Ça, c'est curieux, parce que dans le temps, tu pouvais pas t'en passer des œufs bacon le matin. On s'arrêtait pas de s'engueuler à ce sujet d'ailleurs. Je m'en souvenais plus, mais on avait beaucoup de sujets d'engueulade quand même. Hein? Il y avait toujours quelque chose où ils étaient trop froids, ou trop chauds, ou trop baveux, ou trop jaunes, enfin. Bref, il y avait toujours quelque chose. C'est curieux que tu les prends plus. J'ai arrêté de prendre des œufs bacon le matin quand on s'est séparés. Pour la bonne raison que je me suis aperçu que je n'aimais pas ça. Mais ça, c'est le meilleur. Pourquoi t'as mangé alors? Pour te faire plaisir. Comment ça, pour me faire plaisir? T'avais l'impression de remplir pleinement ta mission d'épouse et de femme d'intérieur en me gavant de haut bacon. Alors moi, je l'ai mangé. Voilà. Moi, je pense que la raison est beaucoup plus simple. Ah bon? Oui. Moi, je pense que dès que tu as eu plus personne pour faire tes œufs bacon, t'as arrêté d'en manger. Mmh. Et c'est tout. Ça, c'est une théorie qui pourrait se défendre si t'avais su faire les œufs au bacon. Mais malheureusement, et sans faire d'humour, t'as jamais su faire cuire un œuf. Enfin, du moins à l'époque. J'aurais pu prendre ça très très mal, toi, mais comme tu peux voir, j'ai changé et maintenant je sais faire les œufs au bacon. Ben, je t'en félicite, mais c'est quand même pas très difficile, hein. D'ailleurs, je vais te les faire tout de suite. Oh non, Francky, arrête, hein. Oh, laisse tomber. Pourquoi tu m'empêches? Mais parce que je déteste les œufs au bacon, arrête. Bon, bon, c'est pas la peine d'hurler. Et à midi, qu'est-ce qu'on mange? Tu veux une quiche? Je sais faire des quiches. Mais non, mais arrête, je suis pas à midi, j'aime pas les quiches, mais arrête avec la bouffe. Mais oh. Tu comprends pas que j'ai besoin de faire quelque chose pour m'occuper, pour plus penser à Arthur. Pour plus penser à ce salaud. En plus, j'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, j'ai même pas le droit de prendre des somnifs à cause du bébé. J'ai pas arrêté de remuer tout ça dans ma tête, de sangloter en sous l'oreiller pour pas faire du bruit. Pour pas te réveiller, tiens. J'ai pleuré des litres et des litres, je pourrais encore pleurer des litres. C'est tellement dur, je pense que tu ne rends pas compte à quel point c'est dur. Si, je sais, c'est très dur de se faire larguer. Merci de me mes pompes. Et ça va peut-être s'arranger, hein. Tu dois être arrivé à Philadelphie, l'autre, à cette heure-là. T'as qu'à l'appeler. En PCV. De toute façon, qu'est-ce que ça va changer? Je vais tomber sur sa femme, ça va faire encore des drames, des hystéries. Attends, tu vas tomber sur qui? Oui, il est marié. Bon, je sais ce que tu vas dire, pauvre con, c'est ça. Je n'ai rien dit. Des enfants, peut-être. D'un premier mariage, il a eu deux. Et par la suite? Ah oui. Tom, à moins que ça soit toi qui appelle. Pardon? Oui, comme ça, si tu tombes sur sa femme, et puis... si tu tombes sur lui, tu me le passes. Francky, je veux bien t'aider, mais il y a des limites, quand même, hein? Oui. Oh, moi. De toute façon, c'était prévisible, hein. On se voyait à peine, on se croisait. La semaine dernière, il a déménagé toutes ses machines à laver. Moi, je croyais que s'agissait d'un expo, pauvre con. Et... c'est un accident? Hein? C'est un accident, non? Non, je le voulais. J'ai 34 ans, c'est normal, je voulais un bébé, je voulais quelque chose de positif dans ma vie. Tu vas l'élever comment? Je me débrouillerai. Je me débrouillerai, mais je rêve. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Francky? Tu vas continuer les chantiers? Tu vas faire la manche dans le métro? Ah, à moins que t'aies un plomb de communauté en Ardèche. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, j'avais le souvenir d'une femme intelligente, équilibrée, puis j'en trouve une vieille hippie, une irresponsable qui va mettre au monde un enfant sans même savoir comment elle va l'élever. Non, mais t'es quel droit, tu me juges?
cause de cette putain d'histoire d'Orion, c'est ça, hein? J'avais dit ça. Tu l'as pensé si fort que je l'ai entendu, non? Ah, c'est con la vie, hein, c'est con les Orions, on dirait une blague pour fin de manger, hein? Ah ben c'est pour ça que t'es venu chez moi. Pensais que j'allais tomber à genoux devant ton ventre plein. Thomas, là, j'ai jamais dit ça. Là encore, là, moi, ce petit crétin, incapable d'accorder un imparfait du subjonctif. La seule fois où j'ai donné des leçons particulières, il a fallu que je tombe sur un débile, porteur de germes qui m'a gâché la vie. Thomas, c'est pas la faute de ces pauvres noms qui avaient un genre plus court que l'autre. Ah ben ça, je suis d'accord, c'était la faute de personne, mais toi, tu m'en as voulu, hein. Oh, t'avais beau dire que nous deux, c'était comme ça, très beau voir, tu m'en voulais, hein. Ah ça, tu me l'as fait payer cher, ton voyage à Amsterdam, hein. Thomas, c'est faux. On a même parlé d'adoption, tu oublies, tu oublies. J'ai adopté un môme à 26 ans, mais j'en voulais un à moi. T'avais pas le droit, non? À moi. Mais l'autre connard, qui fait les mômes, à tour de bras. Ah ça, évidemment, c'est facile, c'est pas lui qui les élève. Mais faudrait que ce soit moi qui recolle les morceaux, qui recueille la mère abandonnée. Bah merci. Peut-être con, mais pas à ce point. J'ai pas besoin de toi. Tu n'as besoin de personne. Moi, j'ai eu coulé, on est d'accord. Et je suis assez forte. Ton habitude de faire payer tout ce que tu donnes. Bon, tu m'as hébergé une nuit. Merci. Tu m'as filé 500 balles. J'embrasse tes pieds. Mais t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre. Je m'en vais, Tom. Je m'en vais. Mais... Mais on va pas se faire emmerder non plus. Allô, Josie Fleur. Bonjour, est-ce que Josie est là, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Salut, Josie. Tom Stenner, là, pareil. Et c'est Rosten, les bandes dessinées. Voilà. Tu peux m'envoyer des fleurs ce matin même? Très bien. Bon, entre 300 et 500 balles. 600, ça ira très bien. Je te donne l'adresse. Alors, c'est Aurélie Mercier, station service Pyrénées, 108 rue de Pyrénées, dans le 20e. Et il y a un mot avec. Alors, j'aurais pas le temps de passer l'écrire, alors tu notes. Ça fait... Tu es la seule. Tu es la seule. Tu me dévores la tête. Avec un S, ça dévore. Hein. Non, là, c'est signé Vic Mortus, tu connais pas ça. V-I-C, plus loin, M-O-R-T-U-S. Ok, comme d'habitude. Salut, Josie. Oui. J'ai oublié de te rendre ta clé. Merci. Par contre. Et puis, je reprends les vêtements, j'en ai besoin, mais t'inquiète pas, je te rembourserai, je te laisse les tickets de café. 475 francs 75 centimes. Tu fais la monnaie? Laisse tomber, Francky, arrête. J'arrive plus jamais à la maison, ton enfant. Bon, excuse-moi, Francky, j'ai dit ça parce que j'étais en colère, mais c'est toi. Mais non, c'est toi qui as raison. Je suis monstrueuse. J'ai envie de me foutre en l'air. Allez, arrête, dis pas de bêtises. Je n'aime pas. Je n'aime même pas l'instinct maternel. Parfois, je regarde mon ventre et j'ai juste l'impression d'avoir un ballonnement. Et puis, j'ai acheté une tonne de bouquins là-dessus. Je les ai tous laissés chez Arthur. Je la trouille, Tom. Si seulement tu savais à quel point je la trouille. Qui t'as aucune raison d'avoir peur, je suis sûr que tu seras une très bonne mère. Tu dis ça pour me réconforter, mais je sens très bien que je vais être nulle. Il faut un minimum d'organisation, j'arrive même pas à organiser moi-même. J'ai même pas pensé à un prénom pour l'enfant. Je suis une future mère intime. Mais non, Francky, mais non. Mais non, souviens-toi, quand Bernard nous avait confié Justin pour les vacances, ben tu t'en étais très bien occupé. C'est un chien. Mais il n'était pas facile quand même, hein. D'ailleurs, comment il va? Oui, il va bien, l'autre, c'est toujours dans les assurances. Hein. Mais non, je parlais pas de ton frère, je parlais du chien. Ah bah, il est mort l'année dernière, le chien. Oh, merde. Oh non, tranquille. Il est mort dans son sommeil, il a pas souffert. Et puis, il avait une très belle vie de chien avec Bernard, quand même. Mais tu étais mon mignon, Justin. Oh ouais, mais il sentait fort, hein. Oh là là. Souviens-toi, Francky, quand il pétait, c'est une usine à gaz. C'est fini. Hein? Mais qu'est-ce que je peux être sentimentale en ce moment, ça doit être mes hormones, tu sais. Francky, si tu veux rester encore deux jours ici,
Mais là, pas de problème, parce que je suis obligé de partir en province pour une histoire d'héritage, alors. Ouais. Quelqu'un de ta famille est mort. Un arrière-cousin, je connaissais pas. Mais c'est épouvantable de penser que moi, je vais pouvoir rester ici grâce à mort. Oh non. Mais si, c'est toujours les Rocky, morts. Il était très vieux, très méchant. Il détestait les enfants. Et alors? Oh, et puis tu sais qu'il a eu une conduite ignoble pendant la guerre. Ah bon? Ah ouais. Il a couché avec toute une section de SS. D'ailleurs, il a été tendu à la Libération. Hein. C'est un signe. Il t'a quand même légué quelque chose. Mais rien, une fine bande de terrain de 3 mètres de large sur 2000 mètres de haut, ce que j'en fasse. Peut-être si j'ai la chance qu'il y ait une station sport d'hiver, je pourrais le vendre comme téléski, mais c'est vraiment... T'as rien que pour m'emmerder. Ah, un feu comme ton Gertrune. Qui? Mais si, la tante de ma mère, tu t'en souviens pas? On est allé la visiter au début de notre mariage. Mais si. Ah si, oui. Mais chante comme un pays, il chauffe comme un œuf, tu t'en souviens? Ici, elle avait plein de petits poils, on aurait dit de la fourrure. Tu t'en souviens? Je me rappelle, j'avais dit bonjour monsieur. Tom. Oui. Tu veux me faire plaisir? Il s'agit de quoi exactement? Tu pars dans combien de temps? Une heure. Je peux te faire des œufs fricains. Oh. S'il te plaît, je sais les faire, j'ai appris. C'est une envie? Oui. Si je refuse, il va falloir connaître avec du bacon autour des oreilles. Il y a des risques. Alors un petit pour goûter seulement, hein. Qu'il a laissé avec le concierge. C'est un cadeau de rupture. Ah, bah voilà une très délicate attention, effectivement. Il y a une machine à laver pourrie qui marche plus, c'est une bonne idée. Ah non, c'est pas une machine à laver. C'est une sculpture. Les fameuses sculptures! Excuse-moi, j'avais pris ça pour une machine à laver. Ah, oui. Ah oui, c'est pas très beau. Ah non, c'est vrai. C'est très très beau. Non, c'est vrai, ça donne envie de pleurer, alors évidemment par pudeur je ris, mais c'est un drame. Tu l'as ramené sur ton dos? Non, avec Lulu et sa camionnette. Lulu, un autre artiste également, on est cerné par les artistes, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas du tout à sa place. Ah, il faudrait la mettre en valeur. Où ça? Dans une jolie décharge, par exemple. On va l'exposer en décharge, elle va être très belle, tu vois. Tu vois pas, j'ai dit ça, c'est signé. Mais j'en ai déjà une signée, dans la cuisine. Une branche, je te la montrerai, c'est une pièce unique. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est ton portrait. Mais qui s'est fait ça? C'est moi. Tu trouves ça ressemblant? Mais Francky, si c'est une plaisanterie de fou, ça! Ah non, 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 c'est pas une plaisanterie, ça a pas été simple à faire, hein. J'ai fait ça d'après une photo, une toute petite photo. Surtout, ce qui était très difficile à capturer, c'était cette flamme que tu as dans les yeux, tu sais? Quand tu as une idée derrière la tête. Alors, comment tu trouves? Tu me prends pour un con, en plus? Ah non, c'est toi qui m'as pris pour une conne. C'est toi qui m'as pris pour une conne pour m'en dire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est une photo, ça, mais ne change pas de sujet, je veux une explication pour ça, moi. Eh bien, ça tombe bien, parce que moi aussi, j'en veux. Francky, j'ai eu la gentillesse, et je devrais dire plutôt la faiblesse, de t'héberger chez moi pendant 2 jours. Tu transformes mon appartement en taudis, et en plus, tu te fous de ma gueule, ça fait beaucoup, hein. Quelle folle nuit. 3 petits points. Carole. Donne-moi ça. C'est qui cette parole? Ça te regarde pas. Et en plus, tu as été fouillé dans mes affaires? Ou toi, tu vas prendre tes clics et tes claques, et tu vas te tirer d'ici vite plus avant que ça tourne en vinaigre, hein. 17 avril 1977. Elle est où, t'es frusque? On s'est marié à quelle date? Ça y est, ça n'a rien à voir. Le 26 mai. Et alors? 1977. Tu m'as trahi un mois avant notre mariage. Tom, t'es un salaud. Mais ça va, on est Francky, salaud. C'était il y a 11 ans, il y a prescription. Oh là là. Et moi, je t'ai resté fidèle et je te jure. J'ai eu des occasions fantastiques. Je sais pas, mais c'est. C'est l'asile psychiatrique ici maintenant, hein. J'aurais dû partir avec Hervé, tiens, quand il m'a proposé. Avec qui? Hervé le Duc. Ah, le Duc, oui. Le grand con qui se prenait pour Baudelaire, c'est une bonne idée.
Il écrivait des très très belles poésies, très tristes. Mais pas très tristes, les tristes. Ah ah, bébé, des T'aurais dû y aller, tu te samarais, c'est sûr. Il avait des taches de rousseur tout le long de sa colonne vertébrale. C'est rare. Attends, mais me dis pas que t'as couché avec un mélodruc. Ça fait 8 ans, il y a prescription, non? T'as couché avec ce connard pendant que t'étais ma femme? Je trouvais qu'à Hervé était très séduisant. Ah bah voilà pourquoi il venait rôder à la maison, cette espèce de grande asperge, molle et rousse. Et la pizza sous le vaudou avec le compère de Nibar, elle est pas mal non plus. Mais ça n'a rien à voir, ça. C'est pire. Je crois pas ça. Moi qui étais tellement naïve, j'avais tellement confiance en toi. Et elle allait se faire troncher par son propre rien. Ah. Et je t'ai rentré à la maison, tout pimpante, et ça va bien, t'es bien travaillée. Mais t'es la pire salope que je connaisse. Eh bien, je suis ravie que ça te fasse mal. Parce que moi, quand je tombais sur ce photo, par hasard, parce que j'ai cherché du papier pour écrire à ma mère, eh bien, ça m'a fait tellement mal. J'ai eu une contraction. Et pourquoi tu t'es pas fait faire un gosse, tant que t'y étais? Ah, ben c'était très facile, hein. Ni vu ni connu. L'enfant est rouquin, ça arrive. Il a une tête de con, ça arrive aussi. Ça peut sortir les générations. Ah ben j'aurais rien vu, j'aurais cru au miracle, moi. J'étais tellement choquée, j'ai téléphoné Lulu pour qu'il fasse ses peintures. Bon. Et j'ai peint en état de transe pendant 24 heures. Eh ben, Francky, t'as gâché le peu de bons souvenirs qui me restaient de nous deux. Voilà. Eh bien, je peux te dire la même chose, on est presque qui. Mais presque, ça veut dire quoi, presque, hein? Parce que moi, je t'ai jamais trompé, c'était dans la tête, c'était cérébral. Oui, très cérébral, juste un petit coup avec le duc, c'est tout. Non, aucun homme m'a touché à part toi. Pendant leur mariage, et même après, toi. Oh, dis donc, Bon, écoute, Francky, on va arrêter cette discussion ridicule. J'ai deux romans à terminer pour la fin d'après-midi. Alors maintenant, tu prends tes affaires et tu te casses. De toute façon, tu me chasses pas. J'allais partir. J'ai reçu une très très bonne nouvelle ce matin. C'est une grossesse nerveuse, c'est ça? Ah. C'est Jean-François, il passe le chambre de bonne de sa mère qui vient me prendre tout à l'heure. Ah ben, vous en profiterez pour embarquer le chef-d'œuvre, hein, vous le cadrez sur la mobilette, hein? C'est prévu. Il vient avec la camionnette de Lulu. Tu peux me supporter encore une... 10 minutes, peut-être? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Des oiseaux. Des oiseaux chez moi? Ouais, il y a un verre de canaries dans la cuisine. Nous avons vécu ensemble pendant 5 ans. Tu sais que je ne suis pas un garçon fragile, à part cette putain d'histoire de rayon, alors fais un petit effort de mémoire. Je souffre d'une allergie. Laquelle? Ça serait pas aux plumes. Gagné! Francky, prends ces oiseaux et va le foutre dehors, s'il te plaît. Non! Je ne peux pas, Francky, tu sais bien. Faut les moins sur le balcon. Sur une condition. Que tu prends ces photos, que tu la déchires, que tu la piétines et que tu craches dessus. T'es pas du genre de cracher, Francky. Il les a promenés partout, salope. Allez, faut les dehors maintenant, ça suffit. T'as pas craché? Bon, voilà. Oui, elle s'est lasse, mais t'es contente maintenant? C'est les stamines dans la salle de bain, s'il te plaît. La petite boîte est vide! Et ça y est, les yeux sont pris maintenant. T'es contente, je suppose? Pas de panique. J'y vais au pharmacie. Tu vois, je suis sympa. Oh. 6 étages dans mon état. Oh, oui, j'apprécie beaucoup, Francky. Hé, hey, machine! Hé, hey, machine, je crois que j'ai une fracture du crâne! Oh, les salauds, les salauds! Tu sais, on dirait un œuf de dinde sur ta tête. Ah, ça fait super mal. J'ai trouvé de l'alcool à 90, mais ça va piquer. Oh non, non, faut désinfecter, vas-y. Vas-y. Ah, il s'apparaît. Oh, Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Ah ouais, mais je pensais pas que ça faisait si mal quand il te rattrapait. Oh, puis j'ai l'impression qu'on me gratte derrière les yeux avec une fourchette en plus. Tu sais, tu as eu vraiment de la chance que j'habite le quartier, hein. Est-ce que tu as vu ce qu'ils ont fait avec pauvre Richard de... Hein? Oh ouais, j'ai vu, ouais. Ils ont voulu le tuer, c'était... Il y avait du sang partout, c'était vachement mignon en plus. Hé, hey, machine, c'est quoi ton prénom, quoi?
Françoise. Elle pleure pas, moi, c'est Thomas, je pleure pas. Non, mais je pleure pas, mais j'ai reçu du gaz lacrymo dans les yeux hier soir, alors ils sont tous rouges. Regarde, c'est horrible. Oh, mais non, c'est vachement joli. Et le rouge avec les yeux bleus, c'est super beau. Dans quel bahut, toi? La Martine, et toi? Jacques de Cour. Oh, il paraît, c'est le bordel noir, Jacques de Cour, c'est vrai. On rigole bien, je te dis. Ça va bien. Non! Il y a deux flics en civil sur le balcon en face, déguisés en vieille dame! Et t'as la lumière! Oh là, je peux plus redescendre, ouais! Je vais être fiché à tous les coups maintenant! Oh, je crois que je vais être obligé d'entrer dans la clandestinité! Oh, les salauds! Tu vas quand même aller à la manif demain? Ah, bah ouais, ils ont pas compris en 68, mais là, ils vont le sentir passer, hein, je te le dis! Tu veux que je te prête un casque? Mais non, fais gaffe! C'est que si t'as un casque, t'es le premier à te faire repérer, hein! Ah bon? Mais aujourd'hui, t'en avais pas et on t'a pas raté. Exact, ouais. Ils sont dégueulasses, hein. Oh, c'est dingue. Est-ce que tu ressembles à Jean Seberg dans Un bout de souffle? Tu trouves? Mais elle est géniale, mais... Elle a les cheveux courts. Ouais, bah alors, ça doit être la lunette noire. Hé, hey. C'est quoi ton parfum? C'est un mélange de santal et fleurs de lotus et je mélange moi-même. Tu aimes? Oh là là, ça sent vachement bon. Et dis donc, Francky. Ça me fait tout drôle que tu m'appelles Francky. T'aimes pas? Si, si, mais il y a que des gens avec qui j'ai des bonnes vibrations qui m'appellent Francky. Non. Mais c'est qui les gens avec qui t'as les bonnes vibrations? Eh bien, il y a ma mère. Non, elle rigole pas, elle est chiante, mais elle est extra. Et puis, il y a ma meilleure copine. Mmh. Et puis, il y a Peter, mon correspondant allemand. Ah ouais. Mais lui, c'est juste comme ça. Francky. Tu crois au destin? Tu crois que je me suis pris un coup de matraque en bas de chez toi? Juste parce que je devais te rencontrer? Et moi, j'aurais pas dû rentrer chez moi du tout. J'avais un rendez-vous avec ma meilleure copine pour voir l'amour fou. Et on s'est raté. Oh, c'est dingue. Francky, ta lune, Nadja d'André Breton, il faut absolument que tu le lises, je te le passerai. D'accord. Ta mère rentre quand? Elle est sortie pour le week-end. Génial. T'as faim? Tu veux des œufs pécan? Oh, ouais, super génial. Et rentre, c'est ouvert, tout c'est bien. Ça fait du collier, parce que le reste, ça va mieux. Non, j'ai rien pris du tout, monsieur. Je ne sens rien du tout. Qui est là? C'est Jean-François, je ne me ressemble plus. Non, mais j'y vois rien, vous n'avez pas remarqué? Vous avez eu un petit malaise, une petite baisse de tension, non? Une allergie. Ah, il faut prendre un antihistaminique. Voilà. Oui, je sais. Francky est parti en chercher. Au fait, je suis content qu'elle s'installe chez vous, ça vaut un poids, vous savez. Tu es toujours là? Oui, je me suis permis de prendre un petit whisky, là. Déjà? Mais vous êtes venu en mobylette? Oui, en mobylette. Et vous deviez pas venir avec la camionnette de Lulu? Ah oui, effectivement, mais il y a eu un petit contretemps, voilà. Et vous m'inquiétez comme ça, il y a un problème? Ça dépend, pour qui, ça dépend. Tu peux avoir une idée? J'ai giflé ma mère. Ah bon, mais fait peur! Vous avez déjà giflé votre mère, vous? Non, mais j'ai pas eu l'occasion non plus. Ça a commencé au sujet de cette chambre de bonne, là, qui est inoccupée, qui fait partie de l'appartement. Celle de Francky? Voilà, celle de Francky. On a discuté pendant des heures, finalement, on a réussi à se mettre d'accord sur un prix. Raisonnable, je sais pas ce que vous en pensez, 2006 par mois, c'est pas... Puis alors, à un moment donné, elle a parlé d'une reprise. J'ai craqué, le ton a monté, j'ai perdu le contrôle, paf, giflé ma propre mère. Une femme de 66 ans, monsieur. Je suis complètement déstabilisé. Mais j'ai reçu un énorme coup sur la tête. Ah bah, je vois, votre mère s'est bien défendue. Non, hein. Non, c'est Sacha qui m'a attaqué avec un chandelier. Ah. 6 points de suture, voilà. Salut, Jean. Bonsoir. Ah. Francky. Francky, il y a un problème, il n'y a plus de chambre de bonne, il s'est disputé avec sa mère. Donc. Hein? Oui, mais ça va, je connais Jean-François et sa maman, ça va s'arranger. Non, je reviens. Vous pensez que ça risque de s'arranger sous huitaine? Non, absolument pas, c'est moi qui vais habiter dans la chambre de bonne, maman m'a viré de l'appartement. Alors voilà. Alors voilà, 10 ans d'études, une clientèle qui marche, puis voilà. Je vais 35 ans dans une chambre. Je suis grotesque! Ça ne vous le fait pas dire, hein? Vous pouvez pas me passer le petit verre de whisky là, j'ai les jambes coupées. Ah, puis je commence à comprendre pourquoi vous analysez dans les bistrots, hein. Et pour vous mettre dans cet état là, regardez, moi je me retrouve avec la grosse sur les bras, mes genoux. Alors Jean-François, allez, raconte-moi tout. Maman m'a acheté toutes mes affaires sur le palier.
pour pas que j'ai un prétexte à rentrer dans l'appart. Mais Jean-François, Jean-François, je suis sûre que si vous vous parlez calmement, ça va s'arranger. C'est mais je ne peux pas lui parler, je peux pas. Parce que Sacha a juré que si j'en foutais les pieds là-bas, elle mettait un coup de carabine dans le zizi. Oh, ma place. Jean-François, c'est pas la première fois que ça arrive. Jean-François, calme-toi. Pardon, Jean-François. Pardon. C'est pas la première fois que ça arrive. Tu t'en souviens? Quand ta maman a pris ta mobilette au Mont de Piété. Tu t'en souviens? Parce que tu lui devais 3 mois de loyer. Tu t'en souviens? Ça s'est arrangé, mon chou. Bon, un autre exemple. Attends. Oui, quand Sacha est partie avec une de tes malades. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais j'ai du travail, j'ai 2 romans à terminer, alors vous êtes gentil maintenant, hein. Ça va, excusez-moi de vous avoir déballé mon linge sale, je m'en vais. C'est tout. Ah non, Jean-François, je peux pas te laisser partir comme ça. Attends, mais on peut pas laisser Jean-François partir comme ça. Mais pourquoi pas? Vous n'allez pas voir un collègue, ça va vous détendre, vous savez. C'est ça, et pour qu'il se foute de ma gueule, vous le connaissez pas, c'est un truc à faire le tour de tout Paris, ça. Mais je vais te la riser générale, moi. Ben non, un secret professionnel, alors. Tu parles, Charles. Non, j'ai simplement besoin d'un peu de tendresse, de chaleur. Vous avez remarqué comme je suis resté calme. Eh bien, ça pourrait évoluer parce que vous commencez à me faire chier un tantinet, tous les deux, hein. On va continuer dans la chambre et on va laisser tomber le tantinet ici. Allez. Non, mais je comprends complètement ces réactions. Excusez-moi, monsieur, je suis ignoble. Oui, ça va. Je suis ignoble. Mais non, t'es pas là. Mais non, absolument pas, Jean-François. Francky. Tu n'aurais pas touché à tes papiers quand t'as fouillé partout? Absolument. Mais ne mens pas, tout est en désordre. Et en plus, t'as lu un roman qui n'est pas terminé, je déteste ça, c'est une question de politesse élémentaire. Oh là là, j'ai lu à peine 30 pages, je me suis endormie tout de suite. Ah, merci pour lui. Elle lit 3 pages et elle s'endort, c'est agréable. 3 pages! 3 pages! Ok! Ouais! S'il te plaît! Bon, Jean-François, ça va, hein? J'arrive, oh merde! D'ailleurs, j'ai pas très bien compris. Pourquoi le docteur là, qui a l'air pourtant plutôt sympathique, pourquoi il prend le couteau, il ouvre le ventre de sa fiancée, il remplit de saucisson sec? Francky, tu m'as mélangé 2 romans! L'île merveilleuse avec le cuistot sanglant, mais c'est pas vrai! Et tu veux me pourrir la vie, c'est ça que tu cherches, hein? Je te laisse travailler, hein. Jean-François a voulu se suicider. Il est dans la salle de bain, il est tout rouge. C'est assez une vraie plaie, ce mec, hein? Jean! Jean! Tout va bien! Jean-François, est-ce que tout va bien? Ça va, Francky. Tom, il a du sang tout autour de sa bouche. Ça n'est pas du sang, c'est du mercurochrome, il a avalé la moitié de la bouteille! Et comme il est pas con, emmerdeur mais pas con, il avait pris la précaution de se bourrer de phosphalugel avant. C'est très nocif du phosphalugel. Ça n'est pas nocif, c'est un pansement gastrique, alors évidemment il gonfle. Et ça doit être contagieux parce que moi aussi il commence à me gonfler, sérieusement. Voilà une très bonne phrase que je vais noter immédiatement. Toi, tu vas tout de même appeler de l'hôpital? Non, je vais appeler la police. Pourquoi? Parce qu'il a voulu se pendre avec la douche, il a décédé toute la tuyauterie. Il y en a au moins pour 4000 balles et encore au noir, on a vraiment à se tirer, hein. J'ai eu tellement peur quand j'ai vu sa pauvre tête enfoncée dans le double. Excusez-moi, monsieur, je me suis conduit comme un porc, j'en paierai le prix. Alors ça fait 4000 et maintenant tirez-vous. Oh, je vais vous envoyer mon plombier. Ça va mieux, là, l'abcès a crevé, l'esprit est dégagé, ça va, je suis à nouveau maître. Ah, maman! Maman! Quoi? Le sang! Quel sang? Quel sang? Mon casque! Quel quoi? Mon pourquoi? Maman! Non, mon Dieu, merci beaucoup. Voilà. Excusez-nous, madame Le Gouet, qu'on ne connaît pas, c'est un représentant, excusez-nous. T'es quand même très très dur avec Jean-François, hein. T'inquiète pas, il est pas mort, il est juste en train de faire chier le Gouec, hein. Et pour ton salle de bain, t'inquiète pas, Lulu repart à ça, il te fera même pas coûter très cher. Je vais ne plus avoir affaire à tes amis du tout, hein. C'est possible. Pour la peinture, même chose, je foutrai un coup de blanc. C'est pareil, ça sera refait en même temps que le reste de l'appartement, quand tu seras parti. Parfait. Mais il faut être malade des nerfs pour faire un truc comme ça. Alors que toi, t'es un garçon très calme, hein, j'ai remarqué, t'es très très calme. Tiens, t'as envie de savoir ce que c'est que cette photo? Oui, j'aimerais bien savoir. C'était fait à la fête de l'humanité. Et alors? Avec le masseur récemment, on m'a pas un concert. Et la femme qui est dessus, tu l'as vu? Elle s'appelle Carole, merci. Elle et son mari faisaient partie d'une fédération, ils ont voulu nous faire adhérer. Alors on a rigolé, on a vu des coups, le mec a pris des photos qu'il m'a envoyé un mois plus tard. Et j'avais jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. T'es contente? Tu vois si je t'ai trahi, hein? Pas comme toi. Avec le duc en plus.
Tom. Tom, je t'ai menti au sujet de le duc. Tom, j'ai inventé cette histoire pour te faire chier. C'était à cause de cette photo, c'était pour te faire chier. Mais c'est pas vrai. Je m'excuse, je me sens comme du monde. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi le duc? Pourquoi c'est... Mais j'ai dit le duc parce que j'ai vu le duc. J'aurais vu du con, j'aurais dit du con, mais j'ai pas Mais quand est-ce que t'as vu le duc? Mais dans la rue l'autre jour. Eh ben raconte, on le voit pas tous les jours, heureusement. On revenait d'un chantier avec Lulu et sa camionnette. Et puis Lulu a voulu garer sa camionnette. Et puis un flic est venu, il lui dit côté chauffeur qu'il n'a pas le droit de garer sa camionnette là. Alors Lulu me montre, il dit que je suis sa femme, que je fais accoucher. Normalement ça marche très très bien. Et là le flic, une vraie tête de nœud, il dit qu'il n'a rien à cirer, que je veux accoucher sur le trottoir, qu'il n'a rien à branler. Alors moi je me suis excitée, je suis sortie de la camionnette, je lui ai foutu un grand pas. Au flic? Oui. Non. Et voilà sa casquette qui vole et puis en dessous j'ai vu le... Il périssable visage de... Le duc? Il est devenu flic, ce poète? Alors avec Lulu, j'ai dit, est-ce que tu veux venir boire un verre, histoire d'être sympa? Et puis, lui, il a dit non, non, qui était en service? Toujours aussi con! Ils l'ont pris dans la police, mais je pensais qu'il y avait une taille maximum, c'est pas possible. Mais t'es folle, toi, hein? Ça s'arrange pas avec le temps, hein? Tom. Oui. Tom, est-ce que ça t'emmerderait beaucoup si je dormais encore une nuit ici? Non. Non, ça m'emmerderait pas du tout, mais... Par contre, y a un petit problème, c'est que... Ah, tu rentres pas seul? Voilà, c'est ça. Ah, alors, voilà. Ça serait peut-être mieux si t'allais à l'hôtel. Ah, beaucoup, beaucoup mieux. Sans comparaison, même. Voilà. D'ailleurs, j'ai réservé en venant. Ah, à l'Excelsior? Oui. Ah, c'est bien. Alors, je vais aller cumuler mes affaires non, et Frankie, puis... Arrête, t'es d'ici ce soir, oh. Ah non, 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 non. Depuis le temps que je devrais aller dans cet hôtel, j'ai hâte de le connaître. Tu verras, ils sont... T'es gentil. Non, je suis soulagé, un poids en moins. Ah bon? Bah, tant mieux pour toi, Tom. Tom, j'ai envie qu'on se voit. Moi pas. S'il te plaît. Ah non, je t'en prie, hein. S'il te plaît. Laisse-moi pleurer si j'en ai envie. Et pourquoi tu pleures? T'as pas ce que tu voulais? T'es pas bien chez Sacha? Mais je suis pas chez Sacha, je suis dans un hôtel, c'est sinistre. S'il te plaît, Tom, s'il te plaît, on peut pas se voir juste... 5 minutes dans le bistrot ce soir, s'il te non. plaît, s'il te plaît, juste 5 minutes. De toute façon, je suis pas libre ce soir. Ah bon? Bah, tu te remets vite, tu as de la chance. Tom. Tom, j'ai fait une connerie, je t'aime toujours. Bah tiens, tu dis ça parce que t'es à l'hôtel et que t'aimes pas les hôtels, mais c'est toi qui avais raison. Ça fait mal sur le coup, mais après on est beaucoup plus heureux. Tom. Réponds-moi franchement. Tu m'aimes encore? Non. Frankie. Frankie. Frankie? Frankie?
Faut que j'y aille, mais... Si tu peux rester jusqu'à ce soir, de toute façon, j'entrerai pas dîner. Quoi? J'entends rien, je suis sous la douche! On a fait une connerie, Francky. Qu'est-ce que tu disais? De toute façon, c'est trop tard. Après, le type s'empare d'un couteau désossé et lui coupe les doigts dans le sens de la longueur. Ça doit faire mal. Ça fait super mal. Et la suite? La suite, c'est qu'il s'attaque aux oreilles, mais elle épluche les gueules. Tac, 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 tac. Et je vais pas tout raconter le cuisson sanglant, tu vas jamais le lire sinon. Mais si, je vais le lire. Allez, sois sympa, juste encore un peu pour me faire plaisir. Bon, alors après, la police se demande pourquoi il y a 20 traces de doigts sanglantes sur les murs. Eh ouais, pourquoi? Eh oui. Bah, ils étaient plusieurs. Mais non. Comme il avait coupé dans le sens de la longueur, ça lui faisait 10 doigts à chaque main au mec. 10 et 10, 20. Avec ses petites poils toutes molles, il en mettait partout, tu comprends? Ah, j'adore ça. Ah, oh, c'est bon. T'allumes pas? Eh ben non. C'est plus sinistre. Un peu de musique. C'est rien, c'est la cage. Oh, c'est pas vrai, ça recommence! Oh, le con, tu m'as foutu la trouille! Ouais, qu'est-ce qu'ils sont mignons, ces pierres! Tu peux le mettre sur le balcon, s'il te plaît? Bah, ils gênent personne sur le bureau, j'adore les oiseaux! Non, mais moi, je suis allergique, tu peux le mettre sur le balcon? Ah, alors? Et attends, pourquoi t'as des oiseaux alors? Parce que j'ai un mec qui m'est passé, mais je déteste ça, tu peux le mettre? Oh, il est bizarre! Bizarre, le mec, j'adore! Il me sauve la vie, Oh, c'est qui cette tête d'animal? Ça, c'est un autre mec à pain, mais je déteste aussi. T'es bizarre. Eh, laisse tomber, on a mieux à faire. Ah ouais? Ah ouais? Raconte-moi la suite. Bon alors, après, l'homme prend la jeune femme dans ses bras, ils s'assoient tous les deux sur le canapé, et lui roule une énorme pelle, mais très tendrement, évidemment. Mais la fille! Quelle fille? Mais la fille à qui il a greffé des mains à la place des pieds, oui. Elle arrive à s'enfuir ou quoi? Oui, bien sûr, mais elle a quatre mains, elle crée un beau arbre, elle est très... Et ben comment elle fait pour grimper? Moi, je sais, merde, elle monte, elle est... Non! Oh, mais Aurélie, on peut pas parler d'autre chose un peu? Oh, mais Vic, moi j'aime ça, moi. Ah, oui. Rien que d'y penser, ça me file la chair de poule, regarde. C'est dans mes romans j'écris des horreurs, mais dans la vie, je suis quelqu'un de très normal et j'ai vraiment envie de t'embrasser. Hein? Moi aussi, mais j'aimerais bien que tu me racontes des trucs en même temps. Pour raconter des trucs? Non, par exemple, un de tes vieux livres. Non, mais je vais pas te raconter un vieux livre, arrête. Pourquoi t'en rappelles plus? Mais non, mais c'est pas ça, mais moi ça m'excite pas du tout, ça me coupera plutôt mes moyens. Hein? Oh, allez, Vic, s'il te plaît, sois sympa pour rigoler. Oui. Oh, fais-moi le coup des doigts. Oh. Aïe, 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 arrête, pas mon. Ah, tu m'as déjà fait un mal de chien au restaurant avec la fourchette, arrête maintenant. Non, non, je suis pas du tout branché par ces trucs-là, moi, hein. Et c'était au moins une fois qu'on voit. C'est au moins une fois, je crois que je connais pas. Oh, tu connais? Bah, bien sûr, je connais. Et comment tu connais? Mais je connais parce que je connais, figure-toi. Réponse, tu veux savoir pourquoi? Ben oui, je veux savoir pourquoi. Ben figure-toi qu'il y a de ça quelques années, j'ai été un fanatique du sadomasochisme. Sans déconner. Eh oui. Fait que j'étais considéré comme un des deux ou trois plus vicieux en Europe. J'ai organisé des soirées très spéciales, les plus belles femmes de Paris venaient se faire piquer à la fourchette chez moi. Qui ça? Ah, pas donné, non. Et la cuisine, t'imagines dans la cuisine? Oh non, qu'est-ce qu'il y avait dans la cuisine? Là, ben, c'était l'endroit qui était spécialisé, les murs étaient capitonnés pour étouffer les grilles. Non! J'avais tout un matériel semi-professionnel qui m'arrivait sous colis discret. Oh, t'avais quoi comme matos? J'avais tout, j'avais les chaînes, les fouets, les cagoules, j'avais des virgoulettes, j'avais même une grande pinailleuse en étain du 18e. Oh, je peux l'avoir la pinailleuse? Tombé, j'ai tout bazardé, j'ai plus rien maintenant. Oh, ça c'est con, pourquoi t'as tout bazardé? Parce que, un jour, si tu veux, il m'est arrivé un énorme pépin, et j'étais obligé de tirer un trait sur toute cette partie de ma vie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça je peux pas te le dire parce que c'est. Parce que c'est un souvenir qui est encore trop pénible et je ne peux pas te le dire. Voilà. Oh, Vic, tu peux me le dire? Je te jure, je le répéterai à personne. N'insiste pas, rien que d'y penser, je suis obligé de m'écraser les joues, donc c'est un souvenir qui est très pénible. Ouais, mais ça va peut-être te faire du bien de te confier, justement. Tu l'auras voulu? Ouais. Eh bien voilà.
Une nuit, rendu fou par la pleine lune, j'ai sodomisé un kangourou. Oh, pauvre bête! La bête est morte de chagrin et j'ai eu la SPA au cul, voilà. Le pire, je l'ignorais bien sûr, c'est que les petits étaient dans la poche, voilà. Autant te dire qu'ils ont été très secoués. Excuse-moi, mais je suis désolée, je pourrais pas savoir qui c'est. Excuse-moi, je suis pas désolée. Hé, hey, tu rigoles là? Je rigole parce que tu m'appelles Vic, arrête de m'appeler Vic à tout bout de champ, ça me fait penser aux médicaments, ça me fait rire, voilà. C'est bizarre, bon, voilà, pour qu'on arrête, alors tout ce qui est piquage, morsure et compagnie, tu comprends? D'accord, bon, voilà. C'est où la salle de bain? C'est par là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du talc. Mais pourquoi faire? Pour retirer mon cuir. On se calme, on se calme. Oui, je viens, j'ai pas d'un jour. Oui, j'arrive, Aurélie, oui, j'arrive. Vas-y, envoie le talc. Mais qu'est-ce que t'as à rigoler comme ça? C'est le bruit du talc, ça me fait rire, le talc. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Tu veux un coup de main? C'est le bruit du froc maintenant? Ah non, c'est le talc, ça m'a encore fait rire. Bon, n'insiste pas, maintenant c'est râpé. Ah mais non, mais pourquoi c'est râpé? Parce que c'est râpé. Ah, non, mais rien n'est râpé, Aurélie, enfin. Un peu de concentration. Ok, on arrête de rire maintenant, moi ça me fatigue, je me lève tôt demain, tu viens dormir, d'accord? Oh. Mais non, je suis con, elle est bien, non. Aurélie, je tiens à te présenter mes excuses. Tu veux que je te fasse une barbe? Oui. Oui, lui-même, oui. Ouais. Quoi? Mais les pompiers, ils peuvent rien faire! Mais c'est pas... Dites-lui que j'arrive tout de suite, hein. J'arrive, j'arrive. Dites-lui, hein. C'est pas possible, ça. Oh, c'est pas possible. Oh, de Dieu! Francky! Francky! C'est Tom, sur le balcon, en face! Oh! Prends la main du monsieur, il te met aucun mal! Mais qu'est-ce qu'ils ont été défilés une chambre au sixième, c'est pas vrai? Francky, tu veux pas qu'on discute ensemble? Dans ta chambre, par exemple? Mais non, t'es pas tout seul, Francky, il y a des tas de gens qui t'aiment! Mais non, je t'ai pas mis à la porte! Francky, va pas là, c'est dangereux, arrête! Je vais venir te chercher, hein? Francky, arrête, tu portes la vie, c'est quelque chose de magnifique! Mais parce que je t'aime! Dès que je t'ai vu sur le pas de la porte, je sais que je t'aimais toujours! Alors j'arrive, t'as confiance, hein? Tu bouges pas, hein? Tu bouges. Et moi, c'est là. Francky, va pas là! Non! 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 Non. Vic? Qu'est-ce qui se passe? Non. Oh, réveille-toi! Oh, tu m'as filé une de ces frousses! Francky, Francky! Ah non, mais c'est pas Francky, c'est Aurélie. Ça fait toujours plaisir. Excuse-moi. Excuse-moi, c'est parce que... C'est parce que j'ai fait un cauchemar. Oh, je sais pas à quoi t'as rêvé, mais ça devait être quelque chose. Bah, oui. T'as pas arrêté de pousser des cris? Bah oui, j'étais dans le... J'avais l'impression qu'il y avait... Ah bah c'est ça, c'est le portrait, là! J'ai l'impression qu'il m'accuse avec les cheveux partout, comme ça. Alors, t'as plus envie de rigoler? Ah non, non, plus du tout, non. Puis excuse-moi, tout à l'heure, j'étais grotesque, mais c'est la tequila, ça m'a monté à la tête. Mais c'est toi qui as voulu qu'on prenne la bouteille aussi. Ça m'a fait péter un fusible, je crois. Oh, ça arrive. Et puis la soirée est pas finie. Quelle heure il est? Non, une heure! Arrête! Toi, tu te lèves tôt, ça sera pas raisonnable, hein? Dis donc, on va pas commencer à être raisonnable. On est jeunes, on se marre! Ouais, remarque, avec toi pas trop, je me méfie. Je suis réveillé, là. Je suis pas en train de rêver que je me suis réveillé après un cauchemar. Tu veux que je réponde? Oui? Oui, c'est vrai, mais pourquoi tu m'appelles? Ça va pas? Mais non, je suis pas nerveux, mais c'est pour savoir. Bon, t'es pas bien à l'hôtel? Bon,
Non, parce que moi j'en étais content. Eh, hey, tu veux pas lui dire qu'il rappelle ton copain? Chut, chut. Et pourquoi t'as pas regardé la télé? T'as mis la télé au moins? Ah bon. Non, parce qu'il y avait un bon film au ciné-club ce soir. Il y avait une vraie rencontre. C'est pas gay, mais ça se regarde. Hein. Non, oui, mais attends, quitte pas. Eh, hey, tu me lâches un peu. Hein. Allô? Et pourquoi t'avais pas de bouquin? Bah, t'avais qu'à prendre un des miens, tu dormirais déjà. Non, je plaisante. Mais t'as tort, la Bible, c'est très bon. Ah bah ouais. Bah de vrai, si tu veux, ouais. Remarque, avec ce que tu bouffes, je suis pas sûr d'avoir les moyens de t'inviter au resto. Non, il faudrait que je m'y remette après, quoi, c'est tout. Voilà, 75 pages. Non, sur les deux romans. Hein. Non, c'est pas énorme. Bah, c'est-à-dire, quand le plan est fait, tu sais, c'est le principal. Après, c'est du remplissage. Oh, c'est plus facile, hein. Oh, mais alors non, hein. Aurélie, t'es pas sympa, hein. Démerde-toi. Oh non, je te jure, je peux même pas les toucher. T'as pile de l'eczéma sur les doigts. Oh non, t'es pas sympa. Oh non, vraiment, t'es pas marrant, Aurélie, hein. On rigole 5 minutes, mais moi, ça me dure des heures après. C'est vrai. Mais tu t'es réveillé? Oh, tu t'es bien foutu de la gueule de la pompiste. Mais t'as bien rigolé. Puis tu vas le raconter à tes copains, histoire de t'y rousser. Écoute, c'est pas de ma faute, il est fantasmé. T'as raison, je suis déçue. On ne devrait pas rencontrer les gens qu'on admire. On se fait son cinéma, on s'imagine des trucs. Et puis on tombe sur un minable qui vous prend pour une conne. Non, je te jure que... Mais t'as pas tort, je suis sûrement une conne pour habiter bouquin. C'est vrai que moi, je suis un peu branque. Mais toi, t'es vraiment un pauvre type. Bon, écoute, vraiment, c'est ridicule de le prendre comme ça. En hein. Plus, je suis sûre que tu baisses comme un lapin. Tu m'as fait une peur. Ah non, c'est moi qui ai eu peur. La communication a été coupée après un horrible cri. Ah oui, c'est parce que j'ai une altercation avec les seins. Ah pardon, excuse-moi, c'est de ma faute. Je les ai entrés pour changer leur sable et j'ai totalement oublié de les refoutre sur le balcon. C'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Pas grave. J'ai croisé Aurélie dans l'escalier. Ah ouais? Oui, ça s'est mal passé. Ah non, alors là, pas du tout, au contraire. Ah bon? C'est parce qu'ils m'ont dit. Moi aussi, j'ai passé une nuit épouvantable. Épouvantable. Tu sais, j'ai eu une cauchemar en m'endormant. Je rêvais que tu étais là, sur le rebord de ton balcon, et puis tu voulais te jeter dans le vide. Et moi, j'étais en face, j'essayais de t'empêcher. Et puis, tu sais comment c'est dans les cauchemars, tu essaies de hurler et puis il n'y a aucune son qui sort. Et je sautais? Oui, donc t'as sauté. Moi, j'ai eu tellement peur. Mais tellement peur que j'ai téléphoné. C'est pour ça que j'ai téléphoné. Tu sais que moi aussi, j'ai fait un cauchemar. Ah bon? Bah oui. Bah, c'était quoi? Bah, c'était... Quoi? Non, mais ça n'avait rien à voir, moi, ça n'avait rien à voir. Bah, raconte tout de même. Non, je vais pas te raconter ça, c'est ridicule. C'est que, si tu veux, c'est... Parce que j'étais poursuivi par un escargot de Bourgogne géant, tu vois. Et il voulait absolument m'accommoder au beurre-mètre d'hôtel. Il m'avait déjà fait mariner dans le gros sel pendant une demi-heure. Quand tout d'un coup, comme ça, il y a une commande, une table à côté, il s'est envolé, il est parti. Enfin, ça n'a rien à voir, hein. Ah oui. C'est traumatisant tout de même, attends. Ouais. La bave, t'imagines un peu? Tu veux une thé, une tisane, quelque chose pour te détendre? Non, ça va, je vais prendre un petit Temesta, ça ira pas vite. Oh, un petit massage facial. Mais non, pourquoi? Mais si, mais si. Ah, mais non. Attends. Oh, non. Ah, c'est tout dur, là. C'est crispé. C'est le front. Écoute, je sais que tout ça, en partie, c'est de ma faute. Si j'avais pas appelé Aurélie, peut-être, enfin,
Je sais que tout ça, c'est en partie, c'est de ma faute et... J'arrive pas à me sentir coupable. T'as jamais été très forte pour te sentir coupable, hein. Tu vas pas commencer. Ça te fait du bien, toi? Ça m'endort le front, bizarrement. Bah, je peux te poser une question indiscrète? Ouais, pose-la toujours. Est-ce que... Oh non, je peux pas, c'est trop gênant. Écoute, si c'est trop gênant, tu me connais, je répondrai pas. Ah non, mais alors si tu réponds pas, c'est encore plus gênant. Pose pas ta question, j'en plus. Est-ce que je baisais mal? Pardon? Mais t'as entendu, tu vas pas me faire répéter. Ben, c'est-à-dire que c'est très gênant, quoi. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Tu peux dire que c'est très intime. Oui. Oui, non. Parce que si tu veux, dans mon souvenir, j'avais l'impression, si tu veux, il me semblait, autant je puisse je ne le pense pas tous les jours, bien sûr, mais si tu veux... que ça se passait plutôt bien, quoi, voilà. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, bah d'accord, alors... Mais tu vois, comme quoi on doit enjoliver les souvenirs. C'est marrant, j'aurais jamais pu penser que t'aies fait semblant pendant 5 ans. Mais Tom, j'ai jamais dit ça. Tom, qu'est-ce que tu vas inventer là? J'ai jamais dit ça. C'est pas vrai, C'est pas grave, c'est le passé, c'est le passé. Hein. Tu veux pas que tu penses ça de moi, Tom? C'est juste que... Ça m'embarrasse horriblement, d'accord? Non, mais Francky, laisse tomber, je suis assez grand pour assumer, c'est juste que ça fait beaucoup pour... Enfin, c'est pas... chier, c'est une machine qui... Bon, tu veux vraiment savoir? Si tu le dis sur ce ton, je suis pas sûr du tout, non? C'était fantastique. Voilà. Même quand on s'engueulait très fort, c'était fantastique. Voilà. Content? Satisfait? C'est... J'y attachais pas une importance. C'était pour savoir, c'était... Bien sûr! Il m'a foutu un coup de pied. Qui ça? Tu sais, quand je voulais pas savoir si c'était un garçon ou une fille, je trouvais un nom qui va pour les deux. Non, mais tu vas pas l'appeler comme ça quand même. Hein? Quoi, pardon? Pourquoi? Bah, enfin, c'est grotesque, tu vas lui filer des complexes jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je trouve que Désiré, c'est un des plus jolis noms qui puisse exister pour moi. Ah, bah oui, Désiré, au cas où t'en sois pas sûr, c'est bien, oui, monsieur. Tom, c'est mon bébé, hein, c'est pas le tien. Non, ça je sais, tu fais ce que tu veux, mais enfin, il y a des gosses qui arrivent chargés dès le départ, hein. Moi, j'étais venue ici parce que très sincèrement, Tom, j'étais inquiet pour toi. J'étais inquiet, je me suis fait du mourou. Arrête, c'est... J'ai cavalé quatre... Francky, c'est une plaisanterie, arrête. Hein? C'est une plaisanterie. De très mauvaise goût. De très mauvaise goût, exactement. Je te jure, hein, c'est un prénom que j'adore, c'est merveilleux, les tireurs. Oh, bah ouais, ça pourrait être tellement pire en plus. Oh. Tu vas me dire comment? Bah, détester, par exemple, c'est un mauvais bras. Hé, hey, Francky. Hein? Je peux toucher? Bien sûr, tu peux. C'est tout. C'est Aurélie qui revient, c'est la galère. Ah non, non, pas du tout. C'est Jean-François. Jean, mais qu'est-ce qu'il vient foutre à cette heure-là? Ben, je l'ai appelé. Je l'ai appelé parce que j'avais peur pour toi, donc j'avais peur que tu sois tombé dans un syncope. Mais j'ai dit pourquoi, je peux pas le blairer, ce mec-là. Ah non, mais démerde-toi, fous-le dehors, je veux pas le voir. Je crois que je l'ai appelé. Je veux pas le voir. Tu m'entends? Ouvre-moi la porte, je suis très inquiet, Francky. Qu'est-ce qui se passe? Francky? Tu m'entends? Rapproche-toi de la porte, s'il te plaît. Rapproche-toi tranquillement de la porte, Francky. Tranquillement, tu te rapproches de la porte, tu enlèves la chaîne.
Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Francky? Rien du tout, il était un tout petit peu déprimé. Tu sais, Jean-François, il était juste un tout petit peu déprimé. Un tout petit peu déprimé, mais c'est très bien, ça, je me suis pas dérangé pour rien, alors. Et où est-ce qu'il est, là, maintenant? Il est dans sa chambre? Oui, il est dans sa chambre, mais Jean-François, il veut pas le voir. Pardon, hein, excuse-moi, il veut pas te voir. Il veut pas me voir, mais c'est absolument normal, ça. De quoi vous avez parlé, là? D'un problème, un truc, ce qu'il avait, une chose qu'il avait avec son entourage. C'est très bien, c'est très bien. Tom, c'est Jean-François. Allez vous faire foutre. Vous avez bien dit, hein, Jean-François. Tom, vous voulez pas ouvrir la porte, là, qu'on discute un petit peu? Mais vous allez vous tirer, espèce de trou du cul en short. Vous tombez mal, je suis en pantalon long aujourd'hui. On n'a rien à foutre dans votre garde-robe. Et je vous en veux pas pour votre agressivité. Vous savez, je suis à même de l'apprécier. De quoi vous avez parlé, là? Ah, de son problème avec les femmes. Merde, avec son entourage. Il est avec son entourage. Ouais, j'ai bien entendu, Tu m'avais pas dit ça, qu'il avait un problème avec les femmes? Ah, pardon? Ah, si, Jean-François, pardon. J'ai toujours maintenu qu'il a eu un horrible problème avec son entourage. Ah. Et quel genre de problème, là? Impuissance, homosexualité? Oh, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, Jean-François, flûte! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Francky? Pourquoi tu veux pas me parler depuis le début? Parce que c'est un problème qui concerne que Tom et moi, voilà. Et Tom et toi, mais c'est fini depuis 6 ans, Francky. C'est l'ami qui te parle, c'est pas le psy amateur de ragots, je veux dire. Tu es contract. Tu m'as dit, de quoi vous avez parlé? Il voulait savoir comment étaient nos rapports. Oui, nos rapports sexuels. Nos rapports, quand nous étions ensemble. C'est ça. C'était pour se rassurer, je crois. Bon, ben, tu l'as rassuré? Je lui ai dit la vérité. Ça, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, Francky. Mais c'était fantastique. Voilà, Jean-François, c'était fantastique. Voilà. Tu sais, j'ai jamais retrouvé ça avec aucune autre homme. D'ailleurs, il a été le premier. Oh, c'est épouvantable ce qui m'arrive. J'ai l'impression de n'avoir jamais cessé de l'aimer. Tu sais, dès qu'il a ouvert la porte, tout un pan de ma vie a disparu et je me trouvais comme si j'avais 18 ans avec l'appareil sur les dents. Comme si j'avais besoin de ça en ce moment. Hein. C'est dur. C'est ton état qui te rend comme ça, Francky. C'est la nidification. Ça, ah, quoi? C'est quoi? C'est la nidification. C'est comme les oiseaux. Si tu veux, tu vas pondre, alors tu cherches un nid, un abri. Ah, hein, c'est une pulsion vitale, c'est bien. J'aimerais beaucoup que ça soit ça. Ce serait même... Non, mais je dis pas que tes sentiments sont uniquement liés à la crise du logement que tu es en train de traverser, mais ça y est, beaucoup. Dis-moi. De toute façon, quel intérêt je peux avoir pour lui? Puis je suis moche. Ne me dis pas que tu es moche, absolument. Si je suis grosse et je suis moche. Mais non, tu n'es pas grosse et moche, tu es enceinte. C'est magnifique une femme enceinte. Oui. Hey, vous n'êtes pas encore parti du con. Attends, il est en train de renouer le dialogue, c'est très très bon. Ça nous joue. Tom, je m'en vais. Ben c'est pas trop tôt. Ah, parce que le plombier est passé cet après-midi. Il m'avait dit qu'il viendrait, vous savez ce que c'est avec ces gars-là, on sait jamais trop. Ouais, il est venu, ouais. Ah, formidable. Alors vous êtes content? Arrêtez de me parler comme un débile ou je sors vous mettre un pain. Tom, vous voulez pas ouvrir la porte? Là, c'est ridicule qu'on discute un petit peu. Mais de quoi, mon bon vieux? De votre nique? Non, de votre libido, par exemple. C'est Francky qui vous a parlé de ça? Non, absolument pas, monsieur, absolument pas. Je suis psychanalyste, il y a certains signes que je suis à même de t'apprendre. Ah ouais, et comme ça, t'apprends quoi comme ça, hein? Non, laisse-le s'exprimer, laisse-le. Allez-y, exposez-moi vos théories, alors. Bon, je pense que vous avez le désir inconscient de votre ex-femme qui remonte à la surface du corps. Non, j'ai surtout le désir de vous mettre un énorme coup de boule, vous savez ça? Mais ça se rejoint, ça. Arrêtez tous les deux, arrêtez. Jean-François va rentrer chez vous. Et moi, je vais rentrer, nous, pour tout le monde. J'ai surtout envie que vous m'oubliez, vous et Francky. Bon, c'est ça, vous avez envie d'oublier Francky. Mais tu vas fermer ta grande gueule, t'es long, le mort, toi. T'es pas en étranglant, tu vas étouffer tes pensées, mon petit peu. Francky, qu'est-ce qu'il y a? Francky! Oh! Oh, j'ai les contrats! Oh non! Je vais accoucher 7 mois et demi, merde! 7 mois et demi, l'enfant est viable. Eh ben alors, Oh putain, allez, viens là, petit Francky! Allonge-toi là, doucement! Allez, viens! Allez, vous qui êtes oublié, maintenant, on fait quelque chose, hein! Mais pas d'affolement! Essaie de te décontracter un maximum! Mais maniez-vous le train, c'est pas de faute en plus! La culpabilité, alors, plus tard! Ma trousse! Mais vous l'avez sous le bras, votre trousse, espèce d'abruti! Mais là, ma trousse, mais vous appelez une ambulance, là! Mais oui, je fais comme ça! Oh merde, c'est pas vrai! Oh, c'est pas vrai! Oh, vache! Oh, merde, couille!
Mais je vous ai dit d'appeler une ambulance. Oui, mais je ne trouve pas le téléphone, figurez-vous. Mais il a le téléphone. Non, non, j'ai pas le son, là, j'ai pas le son. Il y a un disque déjà, il y a un disque. Bouge pas. Du tout, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Non putain, on peut crever, il y a un disque. Tu perds les os là, c'est bien. Oh, attends, laisse-moi. Raccrochez-la, raccrochez. Vous avez déjà fait sage-femme, vous? Ah mais non, pourquoi? Falloir vous y mettre, hein, parce que moi, depuis l'internat, j'ai pas fait d'accouchement, ça fait 15 ans. Allez, soyons rassurants. Souriez, souriez. Vous trouvez que ça, ça ira? Bien, vous n'avez plus besoin de moi. Non, non, allez-y, c'est bon, c'est fini. Vous en êtes pas mal sorti, hein, pour un débutant. Heureusement que vous étiez là. J'ai failli m'évanouir 3 fois. Ça va mieux, là, ça va? Oui, oui, ça va. Et moi, j'avais rien fait depuis l'internat, hein. Finalement, ça se perd pas, c'est comme le vélo. Allez, je vous en sers un, là. Oh, d'accord. Regarde, là, c'est dommage, j'ai pas de balance, à mon avis, elle doit faire dans les 3 kilos. Ah oui, oui, c'est ce qui me semblait aussi, oui. Bon, remarquez, j'y connais rien, mais... comme ça, comparé à... Ben, une épaule d'agneau. Ah oui. M'excusez, j'ai été assez désagréable cette nuit. Ah ça, vous m'avez rendu la monnaie de ma pièce. Non, je m'étais trompé sur vous, je vous avais mal jugé. Mais c'est comme moi. Je vous avais pris pour un frimeur, vous m'avez pris pour un charlatan d'avoir mes frites. Oh, Francky m'a appris une chose qui m'a fait très plaisir. Quoi donc? Ernstein, c'est vous? Ah oui, il n'y a pas de quoi s'en vanter de ça. Alors, j'ai lu toutes les bandes dessinées, moi, je savais même pas qui se cachait derrière le pseudonyme, c'est rigolo, non? C'est porno, c'est du cul, hein. Ah non, non, je suis pas d'accord, non, c'est très bon. Ah non, c'est fin, c'est subtil, c'est très beau, ça. Ça m'a fait penser à Bataille. Ah, ce point-là? Ah oui. Le dessinateur, c'est très joli aussi. Ce qu'il fait, c'est qui, le dessinateur? C'est du Verger. Ah. C'est celui qui fait Picot et Diabolo pour les enfants. Très polyvalent. Ah, il peut tout. Ah ben voilà, le jour se lève. Ah ouais. Oh, ça va, les oiseaux. Tiens, je vais pouvoir vous en débarrasser, les oiseaux. Non, je croyais que c'était trop exigu chez vous. Non, là, j'ai ménagé dans 8 jours, je trouvais un grand appartement. Ça va vous simplifier la vie. Non, mais ça va surtout simplifier la vôtre. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir vous débarrasser de Francky, là, et du bébé. Ah bah alors, c'est formidable. Ouais. Oh, bah, merci beaucoup. Non, non. Ah bah vraiment, merci, c'est formidable. C'est bon, non. C'est magnifique, ce lever de soleil sur les toits. Merci beaucoup. J'ai la cage, j'ai mis dans le coffre de la voiture, aucun symptôme. Mais là, rien du tout, hein. C'est miraculeux. Je crois que je vais m'acheter un couple de pintades pour me tenir compagnie. Tu veux que je te la porte jusqu'en bas? Ah non, 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 tu sais, elle est pas très lourde. Tu m'accompagnes chez Jean-François? Non, ça je peux pas, j'ai encore un roman. Ah oui, ah, mais de toute façon, je repasse pour la peinture. Ça là? Oui. Ça touche pas, je suis habitué, puis ça me rappelle alors, hein. Ah, tu as pris le numéro de téléphone de Jean-François? Oui, bien sûr, il est marqué là. Au revoir, Tom. Et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Arrête, tu vas le faire rougir. Tu me fais pas la bise? Bah, tu me connais, moi, je suis pas très bonne année et tout ça. Hein. Tu peux me faire la bise tout de même, non? Ouais. Pourquoi t'as fait ça? Excuse-moi, ça m'a échappé, je suis désolé. Vas-y, Jean-François, t'attends.
T'aurais pas dû. Bah, je pensais pas que ça te traumatisera à ce point. Ah non, c'est pas ça du tout. Pas du tout, Tom. C'était que c'était très bien comme ça, vraiment. Ouais. C'était pas la peine. Ouais, tu vois, comme ça, c'est... Au revoir, Tom. Frankie, attends. Frankie. Frankie. Petite seconde, Désirée. Ta mère et moi, on a parlé un peu. Je t'ai embrassé parce qu'il me semblait que... toi aussi, t'en avais envie. Voilà, c'est pour ça. Oh. Non, mais j'ai bien vu que tu étais une sorte de tombeur irrésistible. Mais tu penses vraiment que je vais m'évanouir si tu me touches? Bah, on essaie. Non, pas devant le bébé. Oh, bah, à 10 jours, ça va pas la perturber. Hein. S'il te plaît, Tom. Alors, jure-moi sur la tête de la petite que t'en as pas envie. Tom, tu sais comme moi qu'on... on peut pas vivre 5 minutes ensemble sans s'engueuler. Mais avec... qu'est-ce qu'il parle de vivre ensemble? Ah bon? Ah non, mais par contre, il t'y tient absolument. Absolument pas. Ah bah, absolument pas. Alors, tu as cru le monstrueux. Okay. Monstrueux. Viens dans mes bras et embrasse-moi. Hein? Non, et je suis assez grande pour élever ma fille toute seule. Toute seule. Si jamais j'ai douté, c'est que j'étais désemparée, tu comprends? Mais maintenant, j'en suis sûre. Je savais dès que Jean-François l'a posé sur mon ventre, je l'ai su que j'étais capable. Francky. Je te demande une toute petite chose, toute simple, c'est de m'embrasser. Et puis, si un jour elle voudrait savoir qui est son père... Ben, elle aura l'embarras du choix, elle en aura deux. Bon, tu m'embrasses ou faut que je me mette à genoux? Tu sais très bien que j'ai terriblement envie. Ça m'arrange pas du tout. Et pas du tout. Bien. Désirée, tu me connais pas encore. J'ai de bon côté, j'en ai de mauvais aussi, ça je ne peux pas te le cacher. Ta mère et moi, on risque de beaucoup s'engueuler. On risque même effectivement de se jeter quelques assiettes à la tête. Mais rassure-toi, nous n'aurons que de la vaisselle en plastique, je te le promets. Il faut t'attendre aussi à ce que tes parents se jettent parfois violemment l'un sur l'autre, afin de s'embrasser passionnément, et quelquefois même devant toi. Alors tu entendras des cris d'amour et des insultes, c'est certain. Et même si je ne te fais pas directement des petits frères, à cause de cette putain d'histoire de rayon... Bah, on s'arrangera pour que tu ne restes pas fille unique, afin que tu ne deviennes pas une horrible enfant gâtée comme ta maman. Et à Noël, si tu as été sage, ton papa américain t'enverra de magnifiques machines à laver, que nous vendrons une fortune, et dont l'argent sera directement versé sur ton livret de caisse d'épargne. Voilà. Tu la connais mieux que moi, alors... qu'est-ce qu'elle en pense? Elle pèse le pour et le contre. C'est vrai que de mon côté, je veux pas l'influencer, hein, surtout pas. Elle aura un mère déplorable sans aucun sens de l'organisation et puis... éminemment bordélique alors. Elle s'est dit que peut-être, si ses parents sont prêts à se supporter, elle est prête à faire des concessions. Bah alors c'est un mariage de raison. Elle t'a rien dit sur les avantages fiscaux? Ah, là-dessus, elle me ressemble terriblement. Elle peut que concevoir un mariage d'amour. Francky, tu peux te dépêcher là, s'il te plaît, je suis en train d'avoir une conférence. C'est beau, c'est beau. C'est très beau, c'est très déstabilisant.